Parkinson, je suis désolé. Vous inquiétez pas pour moi. Parkinson! Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que la vidéo va vous plaire. Vous savez ce qui me rendrait bien service à la rigueur, ce serait que si vous preniez une petite seconde pour mettre un petit like, vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche et même un commentaire. Merci infiniment, passez un très bon visionnage! Auditson! Oui. On est parti? Absolument, est-ce que vous voulez que j'aille chercher la voiture? Mais non, pas de voiture, venez, suivez-moi. Oh non, non. Tu peux y aller, Auditson? Oui, ça va mieux que le Segway. Eh bah parfait! Vous allez voir, c'est bien mieux que le Segway c'est nul. Par contre, je voulais vous mentionner, je n'ai plus de munitions dans mon arme à feu, alors je veux savoir où est-ce que je pouvais m'en procurer. Ah, venez, venez, on va aller. À l'armurerie, c'est juste là. C'est un vrai labyrinthe de ce nouveau poste. Gros désir, moi je prépare les melons. Ouais bah vas-y viens là Auditson, on va aller tranquille. Très bien, je vous suis. Tu sais faire usage de ton arme à feu, bah ça oui t'as été formé déjà. Oui tout à fait, j'ai mon PPA et j'ai déjà tiré une fois. Et merveilleux. Mais comment t'as plus de balles si t'as tiré qu'une fois? C'est à dire que pour pouvoir tirer une fois il a fallu que je m'entraîne avec 3 chargeurs. Et vous avez réussi à atteindre la cible en tirant une fois? C'est moi d'accord. Non, mais déjà j'ai pris l'arme et j'ai tiré. Salut Talika. C'est un bon début. Posez, appuyez sur la détente. Effectivement, chef. C'est ici, patron. Affirmatif, tu sais combien de balles il faut sur toi? Est-ce que c'est pas 36? Et pourquoi 36? Je sais pas, c'est pas 3 chargeurs de 12? Oh non, j'ai dit une bêtise, bon. Oh non, c'est presque, non, c'est presque bon, c'est presque bon, c'est 37 également. Parce qu'il te faut 3 chargeurs de 12 plus une dans le barillet. Entendu, autant pour moi, désolé, pardon. Y'a pas de balle, non? Bah, de demi, y'a aucune balle. Problème. Ah si. 36, 37 du coup. Plein de tassiété, hop là, et on chope. On toutes les balles. Ok. Un petit pétard, là. Est-ce que vous avez passé un bon service hier soir? Mais non, j'ai regardé le match, j'ai bu du rhum. Oh, j'ai passé ma soirée à boire du rhum, c'était quelque chose de sympa. Il y avait un match de quoi? De soccer, football. Oh d'accord, c'était une équipe que vous soutenez? Non pas du tout, moi j'étais là pour le rhum, j'en ai rien à foutre du football. Ah non, attention avec l'alcool, mine de rien, ça va attaquer votre foie. Et là, je comprends, vous êtes jeune, etc. Mais demain, si vous rencontrez des problèmes de santé, vous vous en voudrez toute votre vie et vous pourrez pas revenir en arrière, chef. Ah, tu sais, par chez moi, on est élevé au rhum, hein. c'est comme le petit. Je comprends, mais ça n'est pas une bonne raison pour continuer maintenant que vous êtes conscient des dangers. Attends, on a quelqu'un d'autre en plus avec. Tu sais, dans la vie, t'as pas besoin de bonnes raisons pour faire une chose, il suffit juste d'avoir une raison. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, monsieur. Tu bois pas d'alcool, toi, Auditson? Non, très peu. Monsieur Paul, c'est rigolo, j'étais au téléphone avec lui il y a 2 jours. Non, je préfère jamais essayer l'alcool. Le Red Bull, c'est pas de l'alcool. Le Red Bull, après, ça met dans un état d'énervement duquel je n'ai pas envie d'être. J'ai envie d'être soumis. C'est vrai que ça excite le Red Bull. Ça t'excite? Ouais, mais non, ça excite. Ok. Y'a trop de monde pour la porte. Mais quand tu veux, Peter, merci. Du rhum, des femmes et la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour chanter quand on veut. Du rhum. Allez, tiens, allez, ramène ton pétard, on y va en courant, ça va nous chauffer pour le temps. Oui, chef, j'arrive. Autant qu'on fasse une adam en plus que je prenne le fil 1 qui est avec toi. Mets-toi à l'ombre, tu vas choper un coup de soleil. Non, vous inquiétez pas, il faut que je prenne un peu le soleil. T'as raison, ça se voit du moins, ça te fera pas de mal. Voilà. Oui, c'est vrai. Vous avez une sacrée, en tout cas vous avez une sacrée tenue. Merci, mais c'est la tenue moto, ça va aller. Allez, venez Auditson, on va aller chercher vos tenues. Alors attendez vos clés d'abord. Tu veux celle-là comme tenue ou pas? Non, je vais vous enfiler une comme okay. Moi. Tenez, regardez, hop, vous avez ça. Vous avez celui du milieu, prenez-le. Et Auditson, vous avez celui tout à droite. Entendu. Ok, allez on me suit. Vous êtes sur mon vélo.
Non, non, bah, tout à la droite, votre droite, pas ma droite. Ah, d'accord, du coup, à votre droite. L'autre droite. La gauche, du coup. Voilà, nickel. Allez, on me suit. On va chercher vos tenues. Entendu. Tu sais comment rouler vite, Linson? Ok, vous pouvez aller vous changer à l'intérieur, du coup, tenez. Attendez. Hop. Allez-y. C'est qui a eu la tenue? Vous l'avez donné à Odinson. Odinson, pouvez-vous le changer à l'intérieur? Entendu, j'y vais tout de suite, merci. Allez, mais de quoi comme tenue? Hop là, ça icône. Ok. Et salut à toi, Mistine. Ah, ne pas confondre vitesse et précipite. Ah, la gueule d'Odinson. Je peux vous dire qu'il va faire régner la loi. Ah vache, elle va avoir fière allure la police, moi je vous le dis. Hein. Ah là, c'est terrible. Ah c'est terrible. Je vais crever, putain. Allez, vas-y. Je vais rester à côté de mon vélo, fier à côté de mon vélo. Je vais être sûr, que je suis trop stylé en plus. C'est ridicule, c'est terrible. Fly with you the moon. Let me play a moment. Oh, let me see what things like. Pardon, excusez-moi. Est-ce que tu as besoin de couvrir une genouillère? Alors, si vous avez des équipements supplémentaires de protection, c'est pas non. Ouais, parfait, moi ça me va. Odinson, on est parti? On est parti, si vous donnez l'ordre, il n'y a pas de problème. Je me rendrai immédiatement sur mon vélo. Entendu, c'est parti. Go. C'est parti. On te veut devant nous, Odinson. Tu nous diriges ce soir-là. Tu nous prouves que t'es non, bon alors. D'accord, entendu. Attention. Attention, on met son bras à droite pour indiquer qu'on tourne à droite. Essayez de rester, de serrer à droite afin de ne pas gêner la circulation. Serrez bien à droite, ne formez pas, voilà, un peu peloton, exactement, vous connaissez bien votre code de la route. On s'arrête, on fait attention, on entend les sirènes, attention. On essaye d'envisager le danger. Le danger est appréhendé, on traverse à toute allure, attention, on est exposé. Attention au nid de poule, attention au nid de poule. Attention, faut pas se dépasser, attention. Là, je vais nous recommander d'aller patrouiller directement dans le parc, à mon avis. Il y a des choses suspectes qui s'y passent. Dis donc. Pardon, excusez-moi. Odinson, la trottinette, derrière. La trottinette, mais prends-la en chasse, Odinson. Mais elle est où la trottinette? Je vois pas de trottinette. Derrière. Je suis. Derrière, tout droit, Odinson, tout droit. J'arrive à toute vitesse, on va les avoir. On s'accroche, on y va. On met les gyrophares! Les nénuphars à toute berzingue! Je le ferai plus tard. Putain, qui roule pas vite, ça me bute de rire. Et dis donc, monsieur, je vous recommanderais de vous arrêter, s'il vous plaît! Allez, pas homologuer sa putain de trottinette! Monsieur, il va à vive allure! Malgré la descente, je n'arrive pas à l'attraper! Il va bien trop rapidement! Il va bien trop rapidement! Oh non, non! Nous ne vous interpellons, monsieur! Monsieur, je vais mettre derrière, je vais prendre l'aspiration, j'ai regardé le Tour de France. Attends, je souffle derrière moi. J'ai l'impression qu'il va nous semer, j'ai plus le cardio pour tenir. Oh, regardez-le, il fait demi-tour. Il fait demi-tour, oh là, il va à vive allure avec son vélo. Je vais l'attraper!
procéder une manœuvre de pit, Odinson. Mais il se joue de nous, il se joue de nous. Oui, j'ai vu qu'il se jouait de nous. Monsieur, attention au trottoir. Surtout pas sur les trottoirs, surtout pas sur les trottoirs. Attention, attention. Surtout pas les... Faut l'attraper, il va à vive allure. Oh non, il va à vive allure, j'y vais à toute allure. Oh, il faut réussir à l'interpeller, oh là là, il détruit les biens publics. Ah non. Ah non, 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 il faut qu'on l'attrape, il faut qu'on l'attrape. Monsieur, s'il vous plaît, je vous prie de vous arrêter, s'il vous plaît. Est-ce que je devrais faire un appel radio pour demander de faire un pit? Monsieur. Il a chuté, il a chuté, parfait, je l'ai fait chuter. Merci, merci, gros Didier, merci. Bougez plus, criminel, bougez plus. Monsieur, excusez-moi, je suis désolé de devoir me saisir de mon tasé. J'ai peur que vous nous filiez entre les mains encore une fois. Non. Bon, est-ce que tout va bien, monsieur? C'est oui. Bon. Oh, voilà. Allez, relevez-vous, relevez-vous. Je vous aide à vous relever. Serait-il possible? Écartez-vous. Il faudrait, si vous voulez, venez sur le trottoir, s'il vous plaît. Le vélo, est-ce qu'on pourrait le mettre sur le trottoir? Allez, avec les officiers. Voilà. Gérez ça, Odinson. Monsieur. Le vélo. Monsieur, comment allez-vous dans un premier abord? Je suis fatigué. S'il vous plaît, monsieur, on va s'écarter. Je peux m'asseoir deux minutes? Oui, je vous en prie. Ah, parce que c'est dur. Monsieur, il faudrait me dire qu'est-ce qui vous a pris, pourquoi ne pas nous avoir attendu, monsieur, quand on vous appelait. Je savais pas que c'était la police. Monsieur, je pensais que vous vouliez me voler ma trottinette. Monsieur, pourquoi on avait les gyrophares, on a pourtant fière allure sur nos vélos, pourquoi ne pas s'arrêter? Je pense que vous jamais, monsieur, on est à Los Angeles, tout est possible. Monsieur, est-ce que vous avez des choses à vous reprocher? Non, j'ai rien à me reprocher. La trottinette, j'avoue, elle est débridée, j'avoue. Oh non, non. Elle est débridée. Mais, au moins votre approche est honnête, monsieur. Il va falloir que je vous pose quelques petites questions dans un premier temps. Possédez-vous une pièce d'identité sur vous? Permis de conduire. Très bien. Permis de conduire une trottinette débridée? Ah non, mais non, j'ai mon permis de voiture. D'accord, alors est-ce que vous pouvez me montrer, le document susnommé, s'il vous plaît? Je me lève deux minutes. Monsieur Bradford, c'est ça? C'est ça. Enchanté, je suis Odinson, Peter Odinson. Enchanté, monsieur Odinson. Est-ce que vous trouvez que nous avons fière allure lorsque nous faisons nos patrouilles de proximité? Bah écoutez, moi on m'avait rattrapé, maintenant est-ce que les véhicules vous allez réussir à les rattraper? Ça c'est une autre question. Bah c'est-à-dire que si vous voulez, ça ce sera les agents qui seront en voiture qui pourront s'en occuper, nous faisons du service de proximité. Monsieur, je voudrais savoir... Odinson. Oui. Moi, si vous êtes en vélo, je vous conseillerais de pas trop aller vers les quartiers là-bas. Monsieur Odinson. Monsieur Odinson, non, ils vont voir trois policiers en vélo, ils vont essayer de vous voler vos vélos. Non. Ils ont essayé de me faire ça avec ma trottinette il y a 15 minutes. Mais cette trottinette, vous l'avez eue, monsieur? Ah bah je l'ai louée. Très bien, et pourquoi vous l'avez débridée? La vitesse normale ne vous suffit pas? Bah écoutez, vous 25... pas, vous l'avez débridée, monsieur? Bah je pensais que j'avais le droit, je suis parti au mécanicien, vite fait, il m'a... Comment ça? Il m'a dit tac tac, je te débranche ça, je te remets ça, et après... Vous m'avez dit, elle est débridée, j'avoue, c'est que vous aviez déjà un petit peu de culpabilité, monsieur, si je ne m'abuse. Oui, et du coup, s'il ne s'abuse. C'est pour ça que, à la fin de la location, j'allais la remettre en état. Donc vous vouliez faire une supercherie si je ne m'abuse? Non, je voulais juste m'amuser un petit peu sur la trottinette. Monsieur, est-ce que... Sans prendre de risques, hein, bien évidemment, je suis très... J'y pense. Monsieur, ce serait pas vous le braqueur à la trottinette? Quoi? Ah non. Le braqueur à la trottinette, ce serait pas vous? Non, c'est pas moi. C'est pas vous, monsieur? Ah bordel. Non. C'est lui, c'est pas le braqueur. C'est le braqueur à la trottinette. Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Monsieur, non! Il a chuté! Monsieur, s'il vous plaît, ne bougez plus, monsieur! Êtes-vous en train de confesser à des... C'est le fameux braqueur à la trottinette, c'est lui! Regardez comment je suis habillé, je suis pas un braqueur! C'est lui le braqueur à la trottinette! Celui qui a fait toutes les supérettes de la ville en trottinette! C'est pas moi! Oui, c'est bon! Monsieur, pourquoi avoir pris la fuite? Mais parce que je vous ai dit, je savais pas, j'ai eu peur. À deuxième reprise que vous avez fait un refus d'obtempérer, la première fois vous avez fait signaler que vous ne saviez pas que nous étions des forces de l'ordre. Mais quelle est votre excuse maintenant? Oh dis donc, il va vive allure, on le rattrapera jamais avec le vélo. Messieurs, interrogatoire en triangle, tout de suite on l'enferme. Arrêtez. Alors dis-nous, est-ce que c'est toi qui a braqué la supérette? Non, c'est pas moi qui a braqué la supérette. Non, c'est pas moi, dis-nous toi, c'est les gens qui sont là-bas, les gangsters là-bas, c'est pas moi. Voilà, Odinson, dis-lui. Monsieur, s'il vous plaît, dites-moi quelles sont vos intentions dans cette ville. Allez, Odinson,
Monsieur Odinson. Officier, monsieur, agent Odinson. Moi, j'ai aucun but dans la vie. Ah non, vous pouvez pas dire ça, vous avez... Je vous assure. Ah, dites-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Bradford? Je fais rien dans la vie. C'est-à-dire, vous n'avez pas de métier? J'ai pas de métier. Je suis à la retraite, moi, je suis à la retraite. Comment ça, vous êtes... Merci à toi, Tobis, merci infiniment. Oui, bah, j'ai fini. Oh, monsieur, t'as 22 ans, c'est quoi ton pipeau là? Bah, j'ai fini de travailler, qu'est-ce qui se passe? Attendez, mais on a pas le droit d'être... Merci à toi, merci. De ma patience, merci pour les 3 mois, merci. 50%, t'es bientôt à 2 doigts de dépasser les 60 à 60, je commence à devenir virulent. Merci beaucoup, vous êtes foncé, merci beaucoup. Ah, voilà. Ah, bon. Qu'est-ce qu'elle fait cette société? Ah, bah rien de spécial, on loue des véhicules. Monsieur, j'ai une question à vous poser, si ça vous dérange pas, pardon. Oui, je vous écoute. J'ai l'impression, mine de rien, que vous nous menez en bateau. Un coup, vous ne savez pas que nous étions des forces de police. Ensuite, vous le savez, vous prenez la fuite. Ensuite, vous n'avez pas de travail. Puis ensuite, vous avez une société. Est-ce que vous pourriez un petit peu m'expliquer pourquoi toujours avons-nous besoin de poser la question 3 fois pour avoir une réponse correcte? Parce que ça rentre, ça ressort, ça va très vite là-haut, donc... Monsieur, vous savez que j'ai suffisamment de motifs pour pouvoir vous amender pour un refus d'obtempérer. Odinson. Monsieur Odinson. Oui. Vous avez l'air d'être un agent très, très bienveillant. Merci infiniment, j'espère. Et vous n'avez pas l'air d'être un agent qui n'arrête pas les gens pour rien. Maintenant, moi, j'implore votre pardon. Vous l'avez, c'est bon, c'est fini, c'est passé une très bonne journée, monsieur. Ne te laisse pas m'adouer, Non, c'est bon, il a imploré, il a du regret, monsieur. Je vais vous laisser, je vais vous accompagner à votre trottinette et on va vous accompagner au Bénise pour la faire rebrider. Et ensuite, vous serez... Vous ne me reverrez plus jamais comme ça. S'il va braquer une supérette, là, il s'est trottinette, tu fais comme moi? Ah non, tout mais j'ai fait. Eh ben, vous savez quoi? C'est comme ça que la confiance se joue. Ah non, attendez, je vais peut-être pas mettre la sécurité de la ville basée sur... monsieur, est-ce qu'on... Vous savez ce qu'on va faire? C'est qu'on va vous accompagner au Bénise et vous allez vous faire rebrider votre trottinette. Et d'accord. Ensuite, on leur donnera l'instruction de ne pas la redébrider. Comme ça, vous ne pourrez pas nous semer. D'accord. Bah, je suis partant. C'est entendu, alors allons-y gaiement. Ok. Elle est où, ma... Elle est par là, suivez-moi, monsieur. Non, ils ont dû me la voler, c'est sûr. Peut-être se mettre plus loin, histoire de pas déranger les autres. Bonsoir, messieurs, dames. J'ai bien fait mon travail, là. Si, ni hao. Merci beaucoup, monsieur Johnson. Avec plaisir, c'est important aussi de montrer qu'on n'est pas les ennemis des citoyens, au contraire, on est vos alliés et nous voulons garantir votre sécurité ainsi que celle des gens que vous aimez. D'accord, après entre vous et moi, faites un peu plus de vélo. Pardon ? Faites un peu plus de vélo, entre vous un peu plus. Pourquoi, chef ? Ah, vous étiez un peu à l'arrière. Non, pas du tout. Vous suivez pas trop loin. C'est moi, je me suis trompé. Vous avez raison. Je crois que votre trottinette, elle a grandi. Okay. Bah là je... Ok. Monsieur ? Oui ? Ah mais non, on l'avait mis derrière l'arbre là-bas, c'est vrai. Ah il va aller choper. Il va s'en spawn, je pense que c'est un modo. Cette trottinette elle a quoi, t'as dit ? Ouais, c'est ça, c'est un peu. Pardon ? T'as dit quoi, la trottinette elle a fait quoi ? J'ai l'impression qu'elle a grandi, mais c'est bon en fait, je me suis trompé. Elle était derrière l'arbre en fait. Oui, c'est vrai qu'on l'avait rangée là-bas, je me rappelle. Bon alors on va au Bénise, allez, vous m'accompagnez ? Monsieur, monsieur, s'il vous plaît. J'ai prévenu, je vois le gros désir, il prévient qu'une fois. Voilà, monsieur. Monsieur gros désir, par contre, excusez-moi, mais vous savez que ce n'est pas la procédure. Monsieur, vous n'avez pas suivi la procédure. Monsieur, excusez-moi. Monsieur, je tiens. Monsieur, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, relevez-vous, s'il vous plaît, si vous vous en sentez capable. Sachez que je suis témoin des actes déviants de mon collègue et que je ne les soutiens pas. Non, si au demeurant vous décidez de vouloir porter plainte à ce moment-là, moi je me présenterai en témoin en tant que fervent défenseur de la loi. Puisque vous m'avez laissé une chance, je lui laisserai une chance également. Entendu. Tu portes plainte contre moi, Dyson ? Non, pas porter pointe, mais si cette personne, cet individu décide de le faire, j'en serai témoin. J'ai une balle dans le chargeur, monsieur l'agent. Comment ça, vous avez une balle dans le chargeur ? Maintenant que vous m'avez fait ça, j'ai une balle dans le chargeur, quoi. Non, je vous ai fait 2 sommations tout à l'heure, la 3ème sommation a été faite ici. Non mais comme j'ai dit de toute façon, vous m'avez laissé une chance, je vous laisse une chance, y'a aucun souci. Parfait, je suis inattaquable. Quelle est la suite? La suite c'est qu'on va au Bénise. 01 pour 97. Et qui me... Ok bah je vous laisse... Bah, 97, allez good. Eh bien c'est parti, à vive allure. Est-ce qu'on contrôle en scout actuellement au parking multicolore? C'est que temps. Ah pardon? Attends. Je crois que c'est le mien que t'as pris. Non c'est la dame. Merci. Oh bordel. C'est bon. Ah super. Bah, c'est bizarre ce machin. C'est quel sens ça veut dire ?
Watatashi no ri itayata itoite. Putain de merde, Olitson, tu vas où? On va au Bénis, chef. Ah non, ça monte, ça monte, les adducteurs, les adducteurs, les adducteurs. T'as fait 9 fois le tour de la piste là, Olitson. Ah non, excusez-moi, je connais mal la ville, pardon. Pas ni problème, c'est à gauche ici. Très bien. Attention la voiture, attention, non, l'autre gauche. L'autre gauche, tu me rates dedans. Pardon, chef, excusez-moi, pas. Là, elle roule à 50, je veux qu'elle roule à 150 km/h. Hein. Débridez. Non, non, vous non. Bridez, vous bridez au maximum, hein. Vous réduisez la vitesse. Non, 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 non. Il faut brider, il faut brider, il faut qu'elle aille pas plus de 25 km/h, s'il vous plaît. C'est ce que je dis au monsieur tout à l'heure. Monsieur, je crois vous avoir entendu dire différents propos à son égard. Ah non, je disais de brider la vitesse, brider la vitesse. Vous avez dit. Vous voulez mentir, monsieur, avec votre coupe au bol? Je mens pas, comment ça va? Attention à ne pas faire des jugements physiques, s'il vous plaît. Salut à toi, Inès, ça va? C'est pas un jugement. Bah, c'est Thomas Dust, bienvenue à toi. Là, vous touchez la corde sensible. C'est vrai? C'est pas une coupe au bol. C'est une coupe au quoi? Une coupe normale au carré. Et vous, c'est quoi votre coupe? Je pense pas que ce soit important comme conversation, messieurs, s'il vous plaît. Merci infiniment. Monsieur, excusez-moi, est-ce que vous êtes la personne qui est intervenue sur cet outil électrique de malheur? Pas du tout, elle a pas encore été touchée, cette petite... Entendu, il faudrait nous la brider au minimum, s'il vous plaît. 25 km/h maximum, s'il vous plaît. Oui, bah de toute façon, là, je viens de l'essayer, elle roule à 30, donc je vais réduire un petit cran et comme ça, elle ira à 25. Entendu, merci beaucoup. Merci. Et ensuite, pour ce qui est de pour régler, ce sera ce monsieur qui vous réglera parce que nous lui avons épargné une amende pour véhicule non conforme. Faut que je paye. Désire bien me voir, s'il te plaît. Merci à toi, Alicia, pour le follow. Bienvenue. Et toi, ça, coucou à toi, Impel aussi. Bienvenue. Bougez les canettes sur la route là. C'est quoi, d'ailleurs? C'est une blague. C'est de la vraie caisse. Et lui, son volant, il est à droite. C'est réglementaire, ça. Monsieur, s'il vous plaît, il a le droit de faire un import de véhicule. Oui, je l'ai ramené du Cambodge, c'est moins cher. Mais attendez, mais c'est... Vous avez bien raison. Ça pèse 500 kilos ce truc là. Ça te coûte. Il y a combien de chevaux? Il y a 2 chevaux. Ah ouais, quand même. Ah oui. Ça avance. 0 à 100 en 8h02, hein. c'est pas négligeable. Ah oui, c'est pas négligeable. C'est la conso, c'est voiture, quoi la conso? C'est 1 millilitre au 100. 1 millilitre au 100, c'est hyper drôle. Ouais, je dirais 2005 au 100. Messieurs. Ah oui, pas mal. Dites-moi, d'une seule. En plein tous les 2 mois. Est-ce que vous pensez que j'ai bien agi sur intervention? Mais oui, vous avez très bien agi. Ouais, très bien. Je ne l'espérais. Non, vous aviez des espoirs piètres à mon égard? Non, j'avais des espoirs corrects et vous m'avez prouvé que vous valiez encore mieux que ces espoirs que j'avais. J'en suis ravi, merci infiniment, c'est un honneur. Ouais, c'est moi le monsieur de la trottinette. Ce monsieur de la trottinette a l'air très gentil, mais ça m'a l'air d'être un sacré fripon aussi. Ah, probablement. Il a le mensonge facile. Dans ce genre de véhicule, il faut être un fripon. Il a le mensonge facile, ça se voit. Dinson, comment tu t'occupes de la supervision du bridage de... Écoutez, ce sont des professionnels. Ils savent que nous sommes des forces de l'ordre. Ils n'oseraient jamais nous mentir. Et là, s'il lui file un billet, là, tu peux pas le voir, il est de dos. Non, mais vous inquiétez pas, il sait que nous l'accompagnons et que c'est pour ça que nous l'accompagnons, alors je pense pas qu'il nous mentira. Il y a la police. Faut se méfier des gens. Non, excusez-moi, mais vous... 40 000 balles, ce custom. Comment? Pardon? 40 000 balles, la trottinette, le custom. Mais oui, c'est légal ce qu'il a fait, donc le retour à la norme, ça coûte cher, eh oui. 43 000 balles. Je vais crever, coco, toi, Edel. Je viens de te l'envoyer, 1139. Mais c'est quoi le nom? Ah oui, ouais, Odinson. Oui, j'écoute. Est-ce que tout est en ordre? C'est bon? Ah oui, bah écoutez, ouais, tout est bon pour moi, tout est bon pour le monsieur, tout est bon pour vous. Très bien. Monsieur Bradford, nous allons fonder aujourd'hui une relation. C'est une relation de confiance. J'espère ne pas vous reprendre à faire un refus d'obtempérer. Je suis pas de ce bord-là, désolé, hein, mais après, oui, y'a pas de. Allez. Voilà, monsieur, j'ai pas bien compris, monsieur. Non, vous inquiétez pas, non, rien. Très bien, vous êtes très gentil, monsieur. C'est un plaisir que de vous rencontrer. Je vous demanderai d'y aller un peu plus léger et sur la vitesse ainsi que sur les mensonges qui l'accompagnent.
Oui, bien sûr. Merci beaucoup, monsieur Hodginson, en tout cas, pour votre sympathie. C'est un plaisir que de servir chacun des citoyens de cette ville. Merci infiniment. Je vous en prie. Bah, merci beaucoup, monsieur les agents et monsieur le mécanicien. Merci à vous aussi. Oui, du coup, petit... C'est rondement mené, ça, Hodginson. Félicitations. Merci infiniment. Moi, je suis pas très fier de vous, pour être bien honnête. C'est pas grave. Vous avez fait l'usage de la force malgré la... Mais oui, c'est ce que je lui disais, mais il disait qu'il est pas content parce qu'on a utilisé de la force. Parfois, tu sais, je vais te dire quelque chose. On n'a pas le choix. Si je l'avais pas poussé de sa trottinette en plein milieu, il s'est jamais arrêté. Salut à ta Jean, merci pour le follow. On a toujours le choix. On a dû le pousser dans ses retranchements. Alors là, vous aviez pas le choix, Odinson, vous aviez pas le choix. Bah, moi, j'ai rien fait, c'est sans sommation, on a ouvert le feu sur quelqu'un, c'est pas normal. Non, il avait eu deux sommations avant lorsqu'on courait. Il avait eu deux sommations avant lorsqu'on courait. Je lui ai fait une troisième. Non, elles doivent être succinctes. Celles-ci doivent être succinctes. Et vous le savez aussi bien que moi. Ah bah, vous voyez, hein, maintenant je vais beaucoup moins vite. Ah oui, ça se voit, je suis bien content. Un travail bien fait. 2-0-1, j'ai besoin de renfort sur ma position, je me fais un tour. Maquet, sort. Il faut aller voir 0-1, il est où 0-1? Il y a 0-1 qui a besoin d'aide. Je vous suis, Très rapidement sur le dernier code 2. Cycle 25, on se rend sur place. Adam 11, on se rend sur place. Tu sais, c'est quoi le bouton pour aller vite en vrai? Même si je faisais pas. Oui, c'est ça, je m'en vais. Allez, 0-1 qui a des problèmes, c'est mon copain, on le lâche pas. Hein. Mais bordel, où est Odinson? Je suis là, il est où 0-1? 0-1, besoin d'assistance à l'intérieur du Houhou Café, un individu. Il faut aller vers 0-1, s'il vous plaît. On y va, Grandizer va se débrouiller. Go, je vous suis. Vous allez hyper vite. C'est hyper intimidant, allez-moi vite. Merci Chidi pour ton sub. Merci Chidi pour ton sub, comment tu vas? Ah. 10-20 d'individu. Je suis perdu de ouf. Elle a plus ouf. Vous l'interpellez pour agression sur agent, il m'a collé une barre. S'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur, est-ce que je peux savoir qu'est-ce que vous faites ici, s'il vous plaît? C'est un quad. Monsieur, est-ce qu'il serait possible, s'il vous plaît, de bien sortir de votre véhicule, s'il vous plaît? Monsieur, ne m'obligez pas à vous prendre en chasse. Il m'attend, c'est hyper drôle. Monsieur, s'il vous plaît, venez vous arrêter. Monsieur, s'il vous plaît, je vous prierai de vous arrêter. 25 pour 28. Oui, c'est bon, je m'arrête. Monsieur, s'il vous plaît, alors ne vous arrêtez pas pour passer plutôt vers les places de parking si présentes. Je vous invite à me suivre, monsieur. De 25 pour Odinson, revenez dans le parking, s'il vous plaît. Oh non, négatif, je viens de perdre mon suspect. Salut à toi, Didine. Il est là-bas, le suspect. What? Ouais, ça tire? Et alors, c'est incroyable. Vous avec la grille, vous mettez. C'est qui tire? Non, c'est monsieur là. Monsieur armé, neutralisé désormais. Monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Terrible. S'il m'a volé mon volo. De 25 pour tous, code 4 sur les tirs. C'est le mec qui est revenu. J'ai copié du coup un individu interpellé, procédure au poste et vous me lui mettez. S'il m'a volé mon vélo, ça aurait été hilarant. Lui aussi est en gris et... Vous m'avez dit que vous aviez perdu votre suspect, mais quel suspect? J'avais quelqu'un en voiture qui avait l'air bien louche. J'ai voulu l'interpeller, mais il est parti à vive allure. Il interpellait pas tout seul, demandez-vous de l'aide. Moi je veux pas l'aide. Excusez-moi, pardon, désolé. Il est là-bas. Et merci à toi Willy, merci infiniment pour le sub. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous essayez de monter les escaliers là? Oui, mais c'est-à-dire que j'ai l'impression que je m'en sors pas à merveille. Si, vous allez y arriver. Je vélo, j'ai l'impression qu'il est bridé à 19 km/h. Ok, je pense que j'y suis. Ok. Oui, voilà. Ok.
Allez, attendez, je vais pousser, je vais pousser. Ah, ah, ok. Négatif. Vous avez pas encore passé la peine. Je pense que je peux le verrouiller le vélo pour le coup. Mais comment on se stable? Vous allez bien? Ça va très bien, merci infiniment. Et vous-même, comment vous portez-vous? Ça va très bien. Je souhaiterais en profiter de pouvoir vous parler pour que vous puissiez me dire comment vous avez jugé le contact avec nos équipes. Vous avez-vous trouvé compétent ainsi que utile pour la société? Affirmatif. J'ai bien aimé surtout 89. Très bonne personne. Très bien. Chacun de nos agents gagnait à être reconnu. Vous seriez super surpris si vous parliez à chacun d'entre eux. Je l'espère, en tout cas. C'est une très belle rencontre que j'ai en face de moi. Très bien. Et bien, en tout cas, c'est un honneur. Votre véhicule, s'il vous plaît, je peux pas le mettre dedans. J'ai une question. Bon, merci. Finis ton bail, j'arrive. Ah, pardon. T'es toujours stressé comme ça quand tu parles à quelqu'un? Non, je ne suis pas stressé. Vous inquiétez pas. Je fais mon service fièrement, chef. Merci à toi, Willy. Merci encore. Ça va et vous? Ça va, collègue. Un futur collègue. Oh, ah, j'ai pas compris. Vous voulez rentrer dans la police? Oui, bah j'ai déjà passé mon entretien oral. Votre entretien oral, je pense, oui. Oral. Oui, oral. Et là, il me reste plus que l'épreuve physique. Et après, ce sera des 3 jours d'entraînement. Ok, oui, les 3 jours de police académie. Ce sera avec honneur que je servirai à votre côté, futur chef. Nous sommes heureux de l'apprendre. Mais non. Ça va les collègues, tranquille? Mes respects. Ça va. Mais vous êtes... J'ai perfectionné mon salto, oui. Affirmatif. Okay. Montre-moi ça, Mister Backflip. Montre-moi ça, comment tu fais ton backflip, là. Attends, juste tu peux me montrer toi d'abord. Et après je vois... Tu te montres comment on fait un backflip? Alors, non, vous risquez de vous abîmer, attention. Sinon, vous avez un casque, mais... Non. Je m'étire d'abord. Vous mettez en danger inutilement pendant votre service. Vous mettez inutilement en danger pour votre service. 01, du coup, je libère l'individu, il a présenté des excuses. Très endormé. Je l'ai mis en garde avec un rappel. Vous êtes en train... Si vous blessez pendant votre service, c'est nous qui allons devoir pouvoir les payer les pots cassés. Non, vous inquiétez pas. T'en fais pas, ça va bien se passer. Responsabilité. Garde pas ça. Je suis témoin. Vous êtes extrêmement agile, je suis impressionné, bien que j'ai eu bien peur. Vous me le libérez. 8 années défense spéciale. Vous me le libérez, vous lui dites... Bisous à toi, Nayon. Prends soin de toi. Ok, voilà. Vous êtes tous bien agiles, mine de rien. Il y a du mieux, Mieux que la dernière fois, on est d'accord. À mon tour. Yop, hop, les... La réception, elle est bien meilleure, c'est bien. Félicitations, premier progrès. Mais pourquoi vous avez une insigne au niveau de la ceinture? Oh, pardon. Odinson? Oui, chef. Rejoignez-moi au poste, il faut que je vous amène quelque part, vous. Je vais avoir des problèmes. Il m'a mis une claque, celui-là, il est fou! Mais non, vous allez pas avoir des problèmes. Très bien, je suis. Je suis pas sûr de où, comment on va au poste, j'ai pas de GPS sur le vélo, je vous suis! Ouais, prenez votre vélo et... Odinson! Oui, chef! Vous aimez le vélo? Pas trop. Pourtant c'est mieux que le Segway, non? C'est mieux que le Segway, mais c'est un mal pour un pire. Ok, Odinson. Je vous suis à vive allure, je ne serai pas à me rendre au poste par moi-même. Il est où, Adams? Merci, Odinson. Très belle initiative. Pas de problème, toujours là pour aider les collègues. Plus 4 points pour toi, Odinson, ce soir. Salut à toi, Détrec. Fier de toi. La di da 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 da. Waouh, lieutenant! Bonsoir, chef! Pourquoi, chef? Parce que c'est comme ça, Odinson. Mais pourquoi, monsieur? Mais, Maki, qu'est-ce qui se passe? La vie. Allez, merci pour cet apprentissage. Merci pour l'apprentissage. Il faut savoir tomber pour se relever. Monsieur, je suis pas bien certain de ce qui vient de se passer. Il s'est rien passé du tout, remonte sur un vélo. Bonne patrouille, les enfants. Merci mon lieutenant, merci pour cet apprentissage de tombage. Ouais. Je sais maintenant comment acheter à manger à une blessure. Bon, vous êtes mignons tous les trois, allez, disons. C'est vrai qu'on est venu pour ça d'ailleurs. Bonne balade, hein. Attention aux genoux. Ah, il faut que je rentre au poste, m'a-t-on dit. Ah. Oui, il a rendez-vous avec Anderson, je sais pas ce qu'il veut faire avec lui, mais c'est de bon augure, je sais pas. Ben, faites attention, d'accord. À mon avis, ce vu la rouste que je viens de me prendre, ça en dit long sur la nature et la tenance du rendez-vous qui m'attend. Qu'il a fait encore. J'aimerais bien le savoir, mais s'il faudra pas chercher trop loin pour trouver ce que j'ai fait de mal. J'ai affaire à qui là, vos noms?
P3. Je suis. Il y a. Oui, voilà. Odinson. C'est Odinson, milieu. Oh. Ah, au milieu. C'est au milieu, c'est ça oui, c'est ça. Chef. Moi, c'est le sergent Morrison. Ok, pardonnez-moi, je ne reconnais pas. Morrison, officier de plaisir. Vos désirs, ça je me reconnais, ouais. Vous je me reconnais. Pas de problème, on oublie rarement. Comme par hasard. Ouais. C'est étonnant, vous me direz. Allez, bonne balade, rentrez. Merci infiniment, je vous suis, je connais malheureusement bien trop mal la route pour y rentrer au poste. Bon, on va prendre de l'avance, Odinson. Attendez, gros désir, vous m'avez dit ? J'ai mal entendu. C'est rudimentaire de ne pas m'oublier, je disais. Ah oui. Pas surprenant. Okay. Allez, bonne balade. Allez, on est parti. Merci mon lieutenant, les bisous. Odinson. Allez, go. Je n'arrive pas à accélérer, je n'arrive pas à appuyer sur les pédales. Vous allez bien vite, monsieur déjà. Il était bloqué à 19 tout à l'heure. Allo, Odinson, montre-nous la route pour le poste, on te suit. Ah non, je serais pas y aller. Il faut la travailler ton orientation. Très bien, alors je pense que c'est par là. On te suit. Allez, lève ton boule. Mets les girons, comme ça tu peux prendre les priorités. Ah non, il faut pas abuser du pouvoir qui nous est conféré par l'autorité. Tu as très bien réagi, Odinson. On met son bras à droite et on tourne à droite. Aïe aïe aïe, j'avais mis mon bras à droite. Mais tu vas où à droite, Odinson? On va au poste, vous m'avez dit de vous amener, je vous y amène fermement. Mais c'était tout droit. Je vais tout droit. Non, l'autre tout droit. Ah non, l'autre tout droit, c'est donc celui-ci. Attention. Voilà, à gauche et re-gauche, attention. Watatashi no wi. On va pas se faire buter nous dans 3 secondes. Odinson, on va où là? On m'a dit d'aller au poste, on m'a dit que c'était tout droit, alors on va tout droit. Mais non, c'est pas ici, c'est pas ici. Venez. Oh, non. Allez, vous prenez à gauche, voilà, vous faites demi-tour, Oui. Demi-tour. Voilà, tout droit. Nickel. Ensuite. Mais où est Gros Désir? Oh bordel, bon là, tout droit. Il faut toujours vous orienter. Du coup, le poste, il est est. Ouah! Tout va bien, Dinson? Tout va bien? Mais vous êtes complètement malade, allez, à cette vitesse. Ça va bien. Ça va aller. Vous êtes complètement malade, tout va bien. 01 pour 22, vous en sortez? Ça va aller. Heureusement que j'avais un casque. Oui, c'est vrai. Oui, heureusement. T'en sortais? Oui, j'arrive dans 2 minutes. J'ai appelé une ambulance. Non, ça va aller, merci infiniment. Oh non, j'espère que j'ai pas voilé la route. 09, vous êtes rendu où? mon vélo va juste à 18 km/h, j'arrive. Pardon. Non, malheureusement, monsieur, j'ai pas de téléphone, mon téléphone est cassé depuis quelques jours. On va retirer à la banque. Non, vous inquiétez pas, chef, vous inquiétez pas, c'est gentil, je vais, je suis attendu, je vais être mis à pied, alors je vais aller récupérer ma mise à pied. Non, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Non, vous inquiétez pas. Mais venez, on va se mettre sur le côté, Odin. Bah du coup... Pardon. Tu vas bien, Newton? Je me suis abîmé le coude, je crois. Fais voir. Oh, c'est une petite égratignure, vous allez pas mourir. Ah non, je vais pas mourir. Mais ça me ferait pas de mal d'avoir des pansements. Oh, parfait, je crois qu'on a des pansements dans la pharmacie au poste. Très bien. On va vous en récupérer rien. Un petit pansement Hello Kitty si vous voulez. Ah oui, peu importe tant qu'ils sont stériles. Bah oui, par nature un pansement est stérile normalement. Mais je n'ai pas du tout arrivé vu venir moi cette voiture. Ah moi non plus. Hein. Ah non, je suis content que ce soit tombé sur moi et pas sur vous. Pourquoi? Parce que je préfère être la personne qui est mise en danger plutôt que vous. Vous êtes un très bon agent, vous êtes un très bon agent et le service a besoin de vous alors que moi je suis dispensable. Et non, vous êtes indispensable. 28, on a eu un accident, on arrive. À votre avis, c'est où le poste, Odinson? Tout droit. Non. Pas tout droit. Vers l'est. Entendu, et l'est c'est à droite. Oui, mais c'est à votre gauche.
Alors à ma gauche. À votre gauche, à votre gauche. Oui. Oui. À l'ouest. Allez, c'est à l'ouest, c'est à l'ouest. Entendu. Entendu. Il va pas le prendre en poursuite, lui? Parce que c'est de la patrouille de proximité. Bah voilà, on a demandé à ton vélo. Tu devrais en faire aussi du vélo, parce que les donuts, ça te réussit pas forcément. Il est arrivé comme une bombe. Personne qui a rien dit. Hein. Attention, attention, attention. Ah, pardon. Ouais, c'est pas loin. Oui, je reconnais, c'est à droite là. Ah, on était tout droit. On était presque arrivé, vous connaissez pas? Non, désolé, c'est pas... c'était à gauche. C'est ici qu'on a arrêté le monsieur. Ah oui, oui, je vois. Voilà, donc là c'est tout. Vous voyez les voitures. Et re à toi, Cassie. C'est tout droit devant, Odinson. Avant de ranger le vélo, qu'est-ce qu'on doit vérifier, Odinson? Que la rustine qu'on avait mise pour le pneu crevé tient encore. Voilà, que la chaîne est bien huilée. Ah oui. Ça bien tout ton équipement qui reste dans le sac. Ah oui, tout est bon, c'est bon. Ok, c'est bon, tout est bon, la chaîne est bien huilée. Tout est bon. Je voudrais savoir, on m'avait parlé peut-être de pansements. Est-ce que ce serait possible d'avoir des pansements? Oui, oui, venez, 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 venez. Merci infiniment. Tiens, tenez. Vous en avez trouvé? Oui, regardez, tenez, j'en ai deux si vous voulez, comme ça vous en aurez en stock. Merci infiniment, voilà qui va bien faire l'affaire. Parfait, bah écoutez, si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas. Merci infiniment, je me rue vers le parking immédiatement, j'y suis attendu. Parfait, bonne soirée à vous Odinson, c'était cool. Merci infiniment pour vos gentillesses respectives. Oui, je vais le faire, merci. Ah là là. Je vais me changer vite fait, hop là. Ah, Odinson, mettez-vous en tenue décontractée, même en civil, s'il vous plaît. Oui, entendu, chef, je vais le faire, merci. Allez, plus rapide que ça, Odinson. Alors, Putain. C'était comment cette cycle? C'était bien, les cerveaux, les vélos sont un peu là. Mais c'était bien, Odinson a fait preuve de beaucoup de panache. Et ça du panache, j'en ai fait preuve. Ah oui. Il m'a surpris. Agréablement surpris. Au départ. Il est pas là, Benachibre. C'est une nouvelle tenue, ouais, c'est une nouvelle tenue qu'on a faite en amont. Dispatcher, passage en 17 astreinte pour quelques minutes, avec l'officier 28. Bien reçu, lieutenant. Chef, je vais avoir des problèmes, je sais pas. Allez, venez, Odinson. Au revoir, chef, Odinson. Merci infiniment. Chef. Oui. Tout à l'heure, je tenais à vous signaler que quand pendant que j'étais en mission, en vélo, j'étais percuté par un véhicule et malgré les pansements qu'on m'a confiés, je me sens pas en parfait état. D'accord, on passera voir les médecins. Merci. Deux secondes, avant que vous partiez, prenez le taco là. Oui, Morrison. J'ai trouvé un truc. Affirmatif, on prend. Est-ce que vous saviez que quand vous zappiez sur cette plainte, ça vous emmène dans le monde de Narnia? Ah bon? Il a dit quelle plainte? Non! Odinson, pas vous! Mais j'ai pas bien compris ce qu'il dit. Non, touchez pas! Non, mais y'a rien! Tout va bien? Ok, Odinson! Venez, on y va. Ah, entendu, chef. Ouais, ouais, là-bas, Narnia. C'est trop drôle. Bon, vous avez aimé votre patrouille à moto? À vélo, c'était un petit peu brusque, mais on a réussi à bien faire. GPP dans le poste.
On a réussi à bien faire régler, à bien faire régner l'ordre. Où allez-vous ? Ça allait jusqu'à ce que je vous vois. Allez, Odinson, en voiture. Vous avez dit quoi ? J'ai vu ce qu'il y avait sur le frigo. Oui, j'ai vu. Alors, ça vous a plu ? Vous avez... Pourquoi vous avez un sourire en coin ? Bien joué, Chronos. Bon, j'ai un problème, je peux pas sortir de véhicule. Vous pouvez m'aider ? Ah, pardon, j'avais ma portière ouverte. Oh, je suis désolé. Hey, j'ai un problème. Ah il est con, putain. chef, je vais avoir des ennuis là. Ah, vous me dire, ça concerne la plage la dernière fois. Par rapport au fait que j'ai pas pu vous protéger, mais j'avais plus mes lunettes, chef. Non. Si, j'avais plus mes lunettes, je vous jure. J'avais la plage de barbecue. La plage de barbecue ? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait au barbecue ? Y'a rien qui vous dit là ? Non. D'accord, bah on va voir. Non, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est le monsieur avec qui j'ai parlé qui était un gouverneur, c'est ça ? Très bien, Ninson. Je vais descendre, je vous laisse patienter, j'arrive. Je vous laisse vous mettre ici. Ou même là-bas, mettez-vous en plein milieu là, et vous regardez dans ma direction. Entendu, chef. Oui, chef. Pardon. Ici là, vous mettez là où je suis. Autant pour moi, excusez-moi, chef, pardon. J'arrive. Oh. Oh. Chef, c'est quoi ça? Odinson? Oui, chef. Au nom de tout le département, ainsi que de Pat du Bénise, nous sommes ravis de vous offrir votre premier logement dont vous serez propriétaire. Ça sera mieux qu'une blista. Chef, c'est pour moi? Oui, c'est pour vous. Non, chef, je peux pas accepter. Non, je peux pas accepter, chef. C'est gentil, merci, on va aller le ramener. Et c'est trop tard, la carte de grise est à votre nom. Ah non. Le trousseau de clé, c'est à vous. Ah non, chef, c'est à moi. C'est à vous. Monsieur, combien je vous dois, chef? Vous devez rien tout à fait. Chef, je ne peux pas accepter. Merci, chef. Merci, chef. Simplement merci. Merci infiniment, chef. Allez, vous savez quoi? On va aller faire un tour avec. Chef, c'est un bien grand gabarit, j'ai peur d'avoir un accident. Allez, venez. Ah ouais. Est-ce que je peux le regarder à l'intérieur? C'est possible? Bien sûr. J'aimerais bien voir comment il est à l'intérieur. Vas-y, ouvrez. Un plein. Ah oui, il est vraiment super. Eh bah parfait, bah je suis content, Dinson, que ça vous plaise. Je suis plus qu'heureux, je suis ravi, chef. Eh bah parfait, allez, on va faire un tour. Est-ce que ça consomme beaucoup d'essence, ça? Mais vous inquiétez pas. Allez-y, faites un petit tour, là. Très bien, en tout cas, il se conduit très bien. Tournez à droite. Ah non, entendu immédiatement, chef. Oh, il va à fière allure. Est-ce que j'ai l'air de quoi au volant là? J'ai l'air de quoi au volant? Oh, vous avez l'air. Ça vous colle à la peau, c'est tout ce qu'il vous fallait. Est-ce que ça passe là ou pas? Bien sûr, ça passe. Ah, d'accord, je vais lui donner un prénom. Comment vous voulez l'appeler? Je sais pas, est-ce que vous savez qui est la personne qui a eu l'idée? Ah, je peux pas vous dire, c'est tout l'intérêt d'une surprise. Ah non, alors... Je dirais que c'est un cadeau de tout le département de police ainsi que de Pat du Bénise. Alors est-ce que je l'appellerai pas Pat? Ah, c'est un... Je vais l'appeler Patricia. Patricia. Je vais l'appeler Patricia. Qu'est-ce que je l'aime bien. Vous savez quoi, ça vous dérange pas, je peux me garer et vous faites un tour avec et moi je vais regarder un peu à l'intérieur tout ce qu'il y a, savoir s'il y a des choses et des couverts. Oui, si vous voulez. Merci, attends, j'y vais dedans. Hop là. Je vais regarder directement ce qu'il y a. Allez-y, passez derrière.
Oui. C'est bon, je suis derrière. Allez, parfait. Oh, y a même deux plaques de cuisson. Mais non. Y a deux plaques de cuisson, je vais voir manger chaud. Ah, c'est vraiment super bien. Non, trop bien. Y a l'air d'avoir un robinet, mais y a pas d'eau. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Y a une réserve d'eau. Ah, elle est peut-être pas remplie alors. Vous avez un écran. Appuyez, vous activez la réserve d'eau et la batterie pour l'électricité. Oh, il est super bien équipé. Alors que c'est à ça que servent les panneaux solaires. Bien sûr. Oh là. Et si je me trompe pas, j'ai l'impression qu'il y a un moyen de faire une petite terrasse avec un petit rideau sur le côté. C'est bien ça. En effet. Oh, ça va être vraiment très très bien ça, je suis bien content. Ah, il a vraiment fière allure. Est-ce que... Attends, je me remets devant. Est-ce que j'ai l'air aussi classe que vous quand c'est moi qui le conduis? Ah, mais vous êtes encore plus classe même, Odinson. Ah, je suis trop content d'avoir Patricia. Merci chef. Après, j'irai remercier tout le poste infiniment pour leur beau cadeau. Eh ben, avec grand plaisir, Odinson. Ah, y'a même... Patricia vous va comme un gant. Formez un beau duo ensemble. Ça vous dérangerait si c'est moi qui le conduis, s'il vous plaît? Non, vas-y. Merci beaucoup, merci. Oh, adieu les nuits, dans le froid et dans le parking. En plus, vous avez le chauffage, hein? Ah ouais. Vous avez plusieurs couchettes, vous avez la couchette dans la cabine en haut, vous avez la couchette tout derrière. Grand espace en plus. Ah oui, vraiment, j'ai comme un salon rien qu'à moi. Dis donc, en montée, elle a un peu du mal, Patricia. On essaiera d'aller voir le Bénise, peut-être qu'ils pourront vous faire une petite cartographie. Ah non, vous inquiétez pas, je le laisse tel quel. Un cadeau, ça se garde tel quel. Ah, mais vous savez, la passer au bioéthanol pour que ce soit plus économique pour vous et qu'en plus, on lui fasse gagner quelques chevaux, c'est pas impossible. Ça froisserait personne du service? Mais non. Par contre, c'est vrai que l'embrayage est un peu dur, mais je vais pas faire mon compliqué. Ah non, maintenant, maintenant, c'est plus que mon véhicule, c'est aussi ma maison, alors il faut surtout pas que j'ai un accident. Chef, vous savez, j'ai l'impression que c'est le début d'une nouvelle vie pour moi, ce que vous avez fait là. Je sais pas comment vous véhiculez ma reconnaissance, merci infiniment. Mais dites simplement merci, profitez et continuez d'avoir ce sourire qui me remplit de bonheur. Merci, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait, pour être bien honnête. J'en avais plus besoin maintenant que jamais. Je vous avoue que les journées commençaient à être longues en service. Autant j'avais mal au dos à cause de la position dans laquelle je dois dormir dans la blista. Ah ben, je me doute et c'est pour ça qu'on a tous pensé à cette idée. Mais j'espère que je pourrai remercier tout le monde individuellement. Et franchement, ne vous inquiétez même pas pour l'assurance. Vous profitez de l'assurance du département de police. Votre véhicule est assuré au nom du département. Oh, et alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a des endroits dans lesquels je pourrais le garer longuement? Comme ça, j'aurais juste à aller me garer et dormir dedans et ensuite aller au travail et faire mes sorties. Vous pourriez vous mettre au niveau du poste, il n'y a aucun souci. Entendu. Après, je vous montrerai quelques belles adresses. C'est quand même mieux d'avoir une plus belle vue. Ah oui, tant qu'à faire, autant profiter, mais je ne veux pas me montrer trop gourmand au demeurant. Mais non, vous inquiétez pas, Odinson. Il y a des très beaux endroits au niveau de Vespucci Beach. Vous allez adorer. Vous me donnez très envie. J'ai l'impression que une nouvelle vie commence. Je suis ravi pour vous, Odinson. Sachez que ça me remplit vraiment et très sincèrement de joie. Est-ce que je passe là en hauteur ou pas? Je m'en rends pas compte avec le gabarit. Vous pensez, vous êtes sûr? Je veux pas l'abîmer, hein. Oui. Je veux pas abîmer Patricia. Vous êtes sûr? J'ai entendu racler. Vous êtes sûr que ça racle pas? Non, vous inquiétez pas. C'est juste. J'ai entendu un bruit, moi. J'ai entendu un bruit. C'est un brillage d'une sorte. Ah, ok, entendu. En plus, il a que 750 000 km sur un moteur comme ça. C'est comme s'il était neuf. Mais oui, vous m'en direz tant. Tournez la prochaine à gauche. Entendu, à droite, chef. À droite ou à gauche? Prochaine à droite. Entendu, chef. Et il se manie bien. Mais oui. Il se manie super bien. Et en plus, vous avez fière allure là-dedans et vous conduisez bien. Hein. Vous pouvez me prendre en photo. Allez-y. S'il vous plaît. Attendez. Si ça vous dérange pas, hein, pardon. Hein. J'ai l'air bien. Ah oui, vous êtes fantastique. Entendu, chef. On a failli faire coucou aux collègues.
Pendant la montée, on pollue beaucoup quand même, hein. Faudra faire l'éthanol, effectivement. Ouais, je pense aussi, hein. c'est comme en vélo. Prochaine à gauche. Oula, où je vais caler. Non, prochaine à droite. Non, vous inquiétez pas, allez, allez, pied au plancher, Linson. Je vais caler. Ok, on est au bout. À droite ou à gauche? À droite, à droite. Entendu, chef. Allez, Patricia, allez. Hop là. Allez, toujours tout droit. Entendu, chef. Non, légèrement à droite. Pardon, excusez-moi. Restez sur cette voie, là. Restez sur cette voie. Non, non, non. Ah, vous m'avez dit. Y'a pas de route à droite. Non, non, à droite. Tout droit là. À droite, non, non. À droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Voilà, tout droit, tout droit. Vas-y. Ça va pas passer, ça va pas passer. Attendez, je vais sortir, voir si on peut manœuvrer. Attendez. À mon avis, oh oui, ça passe, vous inquiétez pas, on va passer doucement. Ouais, vous avez notre arc. Ah, écoutez, c'est parce que je suis content. Vous avez l'air bien dur. C'est parce que je suis très content. Vous avez l'air très très content, Jensen, hein. Oh, attention, accrochez-vous. Oh non, j'ai entendu des casseroles qui tombaient derrière. Ah, là, c'est bon, tout est bon. C'est bon. Ok, donc là, on est tout bon. Là, on est tout bon. Fantastique. On n'ouvrirait pas les fenêtres et on se la jouerait cool avec un bras à la fenêtre. Allez. Bah moi je mets mon bras sur votre épaule. D'accord, comme deux compères qui sont prêts à conquérir la ville. Voilà. Mais après il faudra retourner au travail, il faudra retourner au travail après parce que je veux montrer que je me sens que je suis reconnaissant et que je suis reconnaissant et que je veux travailler dur. Ah, je passe devant l'ancien travail, on va peut-être voir Sacha s'il est encore là-bas. Il avait repris le bin machine aux dernières nouvelles. Ici au bin. C'était mon premier métier. Fantastique. Je me suis pas senti heureux comme ça depuis. J'ai envie de vous dire, je voudrais vous mentir en vous disant des semaines, mais ce serait plutôt des années. J'ai l'impression que Patricia, elle est faite pour moi et que j'ai attendu toute ma vie pour en avoir une. De toute façon, je l'ai vu, au premier regard, vous êtes un van lifer, vous. Vous vivez, vous avez besoin de... Voilà, une maison qui se déplace. C'est... Oui, et en fait, si je dois bien tout vous confesser, j'étais allé à un garage parce que je cherchais à me remplacer dans mon véhicule. Mais malheureusement, j'ai pas trop les moyens. Mais quand ils m'ont dit qu'il y avait des camping-cars qui existaient, j'avais des étoiles dans les yeux, mais je savais que ce n'était pas à la portée de ma bourse. Alors j'espère que cela n'enlèvera rien à personne, mais en tout cas, je m'en vois très ravi. Mais écoutez, je suis mais incroyablement refait. Cette soirée est formidable. Sachez que je... Waouh. Je n'ai pas les mots, mais je suis ravi de vous voir heureux, Peter. Et ça me fait sincèrement plaisir. Et j'espère que vous pourrez lui apporter votre petite touche personnelle. N'hésitez pas. Oh bah, je vais décorer. Ah, ça c'est sûr, je vais décorer. Hein. Ah, ça c'est certain. Extérieur, hein. Même si vous voulez le changer de couleur, vous le faites. Non, je veux que derrière, il respire le cadeau. Mais de l'intérieur, j'ai vu un endroit où je pourrais mettre une petite affiche. Donc ça va être super. Ouais. Oh, incroyable. Vous allez mettre quoi comme affiche? Je pense que je vais mettre une affiche de mon film préféré. C'est lequel? Vous l'avez peut-être pas vu, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Passenger. Si, ça me dit quelque chose. C'est un film avec Jennifer Lawrence. Tournez à gauche. Oui. Excusez-moi. Il faudra que j'aille à l'hôpital aussi, si c'est possible. Eh bien écoutez, allez-y, on va aller à l'hôpital. Je vous laisse me guider. Ok. Gauche. Salut à toi, Zato. Oui. Gauche. Entendu. Droite. C'est pas un sens interdit, d'accord, non? Toujours tout droit. Entendu, chef. Hop là, voilà, c'est très bien. Attention, attention, vous avez l'embrochure. Ouais. Vous la prenez, vous suivez les lignes. Oh, fantastique, fantastique. Vous avez obtenu quand votre permis, vous? Oh, vous savez, c'est très récent. Quand je suis arrivé, j'avais pas conduire. Mais j'avais mon père qui m'avait montré une fois en cachette de ma mère et de mes frères. Il m'avait pris, il m'avait montré les bases, alors je savais à peu près comment faire. Je l'ai eu du premier coup, cela dit. Mais non. Ainsi que le code de la route. Vous savez que je l'ai échoué trois fois. Avant de l'avoir, vous saviez quoi? Vous aviez du stress? Et non, un rond-point. Alors en plus c'est rare aux États-Unis, hein, mais un petit rond-point.
Et une voiture qui s'est engagée qui a... C'était quoi ça, Odinson? J'ai eu peur, je l'ai pas vu venir, le véhicule. J'ai cru que ma Patricia mobile allait être réduite en miettes. Voilà, c'est bon. Oh mais voilà, vous... Je reconnais. Et là, vous prenez à gauche de suite. Tout de suite à gauche? Oui. Ça passe là? Vous suivez. Oui, oui, ça passe. Allez-y, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Près des collègues là-bas. Ah bah je vois plus rien. Attendez. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Ah oui. Je contrôle les angles morts. Voilà. Excusez-moi, je manœuvre. Excusez-moi. Il faut pas que j'accroche les voitures de la police, surtout pas. Allez-y, mais je vois rien avec le contre-jour. Il faut pas que j'accroche la voiture. Non. Non, j'ai accroché la voiture. Oui. Ah non, je suis désolé. C'est un bien plus gros gabarit de ce que je suis habitué. Il y a pas eu trop de casse. Non, vous inquiétez pas, c'est à peine frôlé. Ah non, pardon. Ah bah je vais me mettre comme ça sur plusieurs places. Oh non. Je touche là où ouais, c'est... Vous êtes bien. Vous êtes entendu. Bon. Fantastique. Ah bah là, je vais vous dire que je vais ranger mon bâton. Pensez à le verrouiller, hein. Ah oui, faudrait pas que je me le fasse voler. Chef, je peux pas le verrouiller. Ah comment ça, vous pouvez pas le verrouiller? Eh bien, hop là, ça c'est moi qui essaye de le verrouiller, c'est bon. J'ai pas les clés, non, j'ai pas les clés du véhicule, je suis désolé. Ok, ok, bon c'est pas grave, vous le mettrez dans votre garage et on fera un trousseau si... si... Peut-être la pile est morte. Entendu, chef. Ah là là. Vous avez un petit flow aujourd'hui, Odinson, hein? Ça vous change. Vous êtes vraiment gentil. Alors, il se trouve que j'avais des petits restes financiers. Et en sautant deux repas, j'ai pu aller m'acheter des vêtements. Un peu ringos, mais y a de l'effort. Non, pas du tout, hein. C'est dans l'air du temps. Ouais. Odinson. Oui. Ils sont là, les médecins. Bonjour. Bonsoir, ça messieurs. Va, messieurs. Bonsoir, messieurs, cieux. Je me présente à vous aujourd'hui car je souhaiterais. Je me suis égratigné le coude juste ici et je souhaiterais savoir si vous pouviez un petit peu peut-être désinfecter, mettre quelque chose pour que traiter. Alors, si tu peux me la refaire sans te coller comme ça, c'était bien. Ah non, bizarre, je suis vraiment désolé, pardon, excusez-moi. Je vous disais, me suis fait mal sur mon coude jusque-là, je sais pas si vous voyez d'ici, mais si c'est possible de désinfecter, peut-être de mettre un petit pansement. Entendu, chef. Repos, mon ami. Repos. Mais te colle plus comme ça, là, tu me rappelles de mauvais souvenirs hein, de mes grands arrière-grands-parents. Non, pardon, désolé, je sais pas à quoi vous faites allusion, mais en tout cas, je sais que vous... pardon. Je t'en veux pas, tu nous as fait tellement de trucs, c'est bon, j'ai plus d'or pour compter là. Même mon cahier Oxford, il est rempli. Non, je vous ai fait quoi, chef? Ah mais rien. Tu te souviens pas de moi, c'est Francis, celui qui t'a menacé de rendre sa plaque si tu passais pas au FI2. Ah oui, ça y est, ça me parle, Francis. Bonsoir, monsieur. Nous sommes une semaine plus tard, si vous voulez savoir, et nous serons non lundi, nous serons à une semaine plus tard, et je pense que je suis en mauvaise augure, je viens de rentrer dans un véhicule de police, alors autant vous dire que... Genre des c'est rien, ça, c'est le quotidien. Vous avez pas appelé le... Francis, est-ce qu'il serait possible de regarder mon coude, s'il vous plaît? Oui, allez. Non, relève pas. Bien. Tu vas pas ramener les bonnes souvenirs. Allez, viens. Comme j'ai fait cette blessure dans l'exercice de mes fonctions, serais-je couvert par l'assurance? Bien sûr, Odinson. Bah oui. Entendu. On charge la facture. Très bien. Le département me régale énormément. Eh ben, heureusement qu'il te régale. Toi aussi, voilà, tu me régales, bon, de jour en jour. Okay, c'est bon. Allez, installe-toi. Ouais, allez bosser là, bande de branleurs. Oui, on y va. Ouais, plus que ça. Hein. Ouais. Alors. J'ai des M&M's plein les dents. Et je vous. Non, mes respects, je vous respecte, excusez-moi, on m'a demandé de m'allonger. respect, Flash McQueen, respect. Je respecte. Allez bosser les branleurs. Là. Bande de tocards. Ouais. Vous êtes en train de l'imiter là ou je rêve? Bande de tocards. Ah, sûrement tes M&M's ou quoi? Oh, délicieux, ça croque soit. Ah ouais, t'es plus paquet jaune ou bleu? J'ai les jaunes mixés avec des maltesers. Oh putain, oh là là. Je me fais des petites poignées, les deux fusionnés. Oh, c'est vraiment bien, bien malin, ça me donne envie d'essayer immédiatement. Je me souviens, moi,
Vas-y, vas-y, fais ta plaisir pendant que je te nettoie ton petit coup de là. Tony Odinson, je vous en envoie. Merci infiniment. J'ai avalé tout cru, j'espère que je vais pas m'étouffer. Il fallait croquer, faut déguster. Oui, mais ça arrivait directement dans ma trachée. Ah, mais c'est parce que vous êtes allongé, ça. Non, pardon. Désolé, c'est que j'ai reçu des instructions ainsi que leur contraire pour me faire soigner. On m'a demandé de m'allonger et pour me nourrir, on me demandait d'être debout, alors je ne ferai pas les deux en même temps. Moi je sais déjà pas faire une chose à la fois, pour être bien honnête. Mais Robinson, dites pas ça. Je peux vous dire un truc, monsieur Francis. Dites-moi. On m'a fait le plus beau cadeau qu'on m'ait fait de toute ma vie aujourd'hui. Pourquoi j'ai ça ? On m'a offert un endroit où dormir à Vita Eternam. Mais non. Oui. Elle s'appelle Patricia. Moi je suis des... Ah. Oui. Ah. Il dort dans Patricia. Et je dors dans Patricia. Ah. Ah. Des futurs mini 28. J'ai pas bien compris. Hein? Ah non, je vais parler d'un truc. Alors, dis-moi tout sur cette petite Patricia. Oh bah, c'est un gros gabarit, mais ça me dérange pas, c'est pas un problème. Tout ce qui est gros, ça résiste bien, je te le dis, mon gars. Oui. C'est sûr. Tu peux y aller matin, midi, soir. C'est toujours... Mais c'est vrai que des fois... c'est vrai que des fois, par contre, quand il faut manœuvrer, j'ai l'impression que je touche pas les bancs. Je pense ne pas en avoir besoin. Est-ce que j'ai besoin du permis poids lourd, chef ? Non, vous inquiétez pas. Entendu, chef. Désolé, docteur, vous retrouverez un M&M's dans les parages. C'est pas grave, on a des femmes de ménage. Et pourquoi pas des hommes ? Ou des hommes aussi, oui. Tout est osé. Pourquoi ? Pourquoi pas des hommes ? Pourquoi raciste ? Si vous retrouvez un M&M's dans la salle de bobologie, veuillez l'encadrer, s'il vous plaît, merci. Voilà une pratique bien particulière, monsieur. Bah écoutez, on garde des souvenirs de braves hommes. Oui. Voilà, c'est bon pour ton coude. Merci infiniment, chef. Me voici remis sur pattes. Mais non, mais arrête de te redresser, là, on dirait une pile. Sois détendu comme nous, tu vois, les bras... Voilà, libre. Je suis très détendu, merci, chef. Arrêtez de vous tourner. Mais non, mais arrête. Oh là là. Et là, tu lèves le bras, ça y est, ça va me rappeler un souvenir. C'est bon. Chef, je ne sais pas à quoi vous faites allusion, désolé. Pas du tout, moi non plus, mais... Moi, je vais aller me jeter sur Patricia. Je vous souhaite une très bonne soirée. Moi aussi, allez-y. Merci infiniment. Je vais vous accompagner à la sortie. Allez. Pas plus que deux dans Patricia, si j'ai vu la carte grise. Non, vous pouvez... Allez, j'arrive. Allez-y, je vous raccompagne. Non, vous pouvez être nombreux, 5-6, je pense. On peut aller à 5-6 dans Patricia. Alors, pas forcément pour vivre tous les jours, mais en tout cas... Spontané, comme ça... d'accord, bon bah, très bien. Merci infiniment. Vous avez l'épaule solide, Dinson. Plutôt. J'essaye de faire du sport, mais pas à la salle. C'est-à-dire qu'on me fait faire beaucoup de pompes quand je fais des bêtises. On sort par la gauche ou la droite, chef ? Comme vous voulez. Je prends à gauche alors, je vais prendre à gauche. Ah, vous êtes de gauche, ok. Je sais pas. En tout cas, me voici en pleine forme. Ah, je vois ça. Bon, après, vous avez choisi de partir à gauche. Des gros bisous à toi, Patricia. Prends soin de toi. Pardon ? Non, rien. Oh non. J'ai fait une bêtise, chef. Mais non. Ah mais vraiment, Odinson, je vous conseille de goûter M&M's Malteser Fusion. Je suis convaincu, pas besoin d'en dire plus, je suis convaincu. J'en rêve présentement, chef. Ah, vous savez ce qui me fait rêver ? Je sais pas. Les gens qui ont la possibilité de commander Uber Eats, même à 3h du matin. Ça, moi, malheureusement, je le fais pas, c'est beaucoup trop cher. Ouais, je comprends. Moi, j'ai même pas Uber Eats, comme d'habitude. En tout cas, je me sens en pleine forme. Et je suis trop content d'être... Oh, il y a une autre Patricia devant. Non, c'est pas une Patricia, ça c'est un patoche. Mais non, c'est une Patricia. On est comme vous. On est comme vous. On est comme vous. Oui, Odinson. Quoi? Koubé. Pardon.
excusez-moi, Peter. Ah non, je vous en veux. Pas. Ah oui, allez à droite, là. Entendu immédiatement, chef. Regardez, ça serait pas fantastique ici ? Ah, si je dors là ! Ben oui ! Comme ça, je peux prendre ma douche dans la mer. Alors, non, mais hein, il y a des douches pour la plage. Oh, ah ouais. Vous savez que vous avez la douche en plus dans le van, hein ? Ah ouais, mais... Il y a un promo de douche que vous pouvez brancher là sur la sortie d'eau qui est sur le côté. Ah ouais, et du coup si je me gare là, j'embête personne, si regardez, je me mets... Regardez, garez-vous. Si je me mets là, par exemple, j'embête personne. Alors, je me serais mis un petit peu plus droit quand même. Comme ça ? Non, un peu plus. Là, c'est bien. Encore un peu. Et hop. Ah, là, ça va changer. Et hop. Alors, un peu plus brusque. Et hop. Non, alors, ouais. Odinson, on recommence, allez-y. C'est pas bien, là. Non, non, Odinson, stop. Oui, chef. Retournez près de la plage, là-bas. Bien entendu. Là, vous étiez. Ça passe, là. Non, non, non. Non, ça... Attention, Odinson. Ah, ça passe, ça passe, ça passe. Vous avez failli lui mettre à Patricia. Non. Patricia, je vais en prendre tellement soin. Ouais, ouais, on est bien là. Parfait. Faudra que je trouve une... J'ai une blague. Je crois qu'elle est trop trash. Ah, je la fais, c'est pas grave. À la guerre comme la guerre. Chef. Oui. Il faudra que je trouve un endroit où ranger mon bâton dans Patricia. Oui, parce que honnêtement, dans la bista, il m'arrive toujours dans le dos et il me fait mal. Vous avez des petites chaises là. Ah oui, on va être bien là. Venez, on se pose. Ah bah on est bien là. Bon, il y a la petite table et tout. Bon, je l'ai pas sorti là, mais. Ah bah non, mais là, on est déjà confort. C'est le grand luxe. Ah, c'est le grand luxe. Vous savez, je vais vous dire un truc, mais vous me promettez de pas être triste. Non, dites-moi. J'aimerais bien avoir quelqu'un à appeler pour lui raconter cette formidable nouvelle. Bah vous avez personne ? Pas vraiment, mais je l'ai bien mérité. Mais non, Odinson, dites pas ça. Et les petites filles de la dernière fois sur la plage ? Les petites quoi ? Les demoiselles, là, sur la plage. Vous avez pas pris leur numéro ? Non, pourquoi faire ? Bah vous auriez pu tisser des liens avec. Non, c'est bon, non. Non, c'est bien, Ça avait l'air de vouloir être amis avec vous. On va pas avoir des problèmes si on va pas en service, chef ? Mais non. Vous êtes certain ? Mais oui. Entendu, patron. Racontez-moi un peu. Qu'est-ce que vous faites de vos journées en dehors du service ? Ah bah vous savez, à part le service, et ensuite quand j'ai un peu de batterie, j'ai eu le temps de charger mon téléphone au poste. À ce moment-là, je joue un petit peu à des jeux sur le pixel de mon téléphone. Alors mais le problème c'est que je perds tout le temps parce que je vois rien. Red Shadow Legend ? Red Shadow Legend. C'est tendance en ce moment, je vois ça partout sur les réseaux sociaux. C'est un jeu super Red Shadow Legend. J'ai entendu dire que ce qui était vraiment incroyable, c'était le moment où vous arrivez à atteindre le niveau 25 et ouvrir deux chars de violette. Mais malheureusement, moi sur mon téléphone, il tourne pas bien. Ah mince. Pourquoi votre téléphone, vous avez quoi ? Bah moi j'ai un iPhone 4. Ah oui, quand même. Ah ouais. Faites voir un peu votre téléphone. C'est celui-là. Oula ! Et l'écran est tout cassé, mais je l'ai fait tomber oui, plein de fois. C'est invisible, Odinson ! Ah oui, c'est pour ça que j'envoie de l'argent aux mauvaises personnes, souvent. Mais attendez. Non mais Odinson, votre écran, il y a 3 pixels qui marchent ? Oui, c'est pour ça que c'est difficile pour moi de savoir quand on m'appelle, qui m'appelle, et que c'est facile de me duper. Ah, excusez-moi, Odinson, j'ai cliqué sans faire exprès sur l'application bancaire, là. Je vois que vous êtes à zéro. Les finances en ce moment, c'est pas trop ça, mais vous inquiétez pas. J'ai entendu dire que le casino allait rouvrir et je vais me refaire. Oula, mais non, Odinson, c'est pas la solution, le casino. Vous inquiétez pas, c'est dû maintenant. Ça fait, en fait, je vous explique comment ça marche, le casino. Si vous perdez beaucoup pendant longtemps, après, le casino vous le rend en x3, alors vous inquiétez pas, je vais me refaire. Je suis pas sûr de ça, Odinson. Vous pouvez compter sur moi, je sais de quoi je parle. Bon, Odinson. Ouais. Soit vous prenez la paye qu'on vous doit, soit je vous jure que je vais dépenser chaque centime de cette paye pour vous offrir des choses. Moi, je peux vous proposer... Par un téléphone. Non. Je peux vous proposer un autre accord. Et si...
Et si on pouvait faire quelque chose, c'est que on déduit tout ce que je coûte au service, c'est-à-dire tout ce qui est les véhicules que j'endommage, les deux Segway, trois Segway que j'ai cassés. Vous inquiétez pas, il y a des assurances. Oui, mais l'assurance a forcément été majorée de par mes mauvaises actions. Pour un service de police, vous inquiétez pas. On a des malus réduits, enfin. C'est le gouvernement directement qui prend en charge nos assurances et tout, donc vous inquiétez pas pour ça. Forcément, c'est jamais plaisant pour chaque semaine de déclarer autant de véhicules abîmés, etc. Mais on sait justifier ça et on a aussi les moyens. Mais à ce moment-là... Pour vous dire, Odinson, on est subventionné à la hauteur de 2 millions de dollars par semaine. Donc vous inquiétez pas. Oh, oui, effectivement, c'est une belle somme. Mais alors, je me dis peut-être que ce qu'on pourrait faire... ce serait que l'argent de mes salaires pourrait servir à créer des formations accrues ou mieux payer les formateurs pour qu'ils puissent créer des agents d'une aussi bonne trempe que vous. Mais vous inquiétez pas. Non. Mais Odinson, oui. On est subventionné, on a l'argent pour faire tout ça. Votre salaire vous revient et vous revient qu'à vous. Et légalement, on peut même pas en faire quelque chose. Donc si vous le prenez pas, cet argent il est bloqué, on peut rien en faire. Est-ce que moi, à ce moment-là, je peux l'accepter et vous le redonner à vous? Bah non, parce que du coup vous devez déclarer, vous devez faire des démarches avec un avocat, etc. En plus vous devez payer des taxes dessus. Donc, oui plutôt. Oui. Et servez-vous-en pour vous acheter un nouveau téléphone, des nouveaux vêtements, peut-être un garage où mettre votre Patricia. On va mettre Patricia dans un garage et vous savez ce que je vais faire pour pas qu'on me la vole, je vais l'attacher. Pas sûr de... Ouais. J'en ai avalé de travers mon matériel. ok. Donc ok, téléphone iPhone 4 pété. Okay. Vous pouvez me le rendre? Je vous l'ai rendu déjà. Je me rappelle pas, pardon. Bon, ok Odinson. Bon, on va décaler, hein? C'est pas tout? Très bien, on va retourner au travail, pas de problème. Je peux continuer à conduire mon véhicule, s'il vous plaît? Mais ne me demandez pas, c'est le vôtre. Merci infiniment. Je les range. Patricia, me revoilà. Voyons voir. Belle, c'est un mot qu'on dirait. Bah vous savez quoi, on était en train de parler des subventions. Vous savez, la masse salariale actuellement, combien elle coûte en termes de salaire pur par semaine? Au moins 50 000 dollars. Oula, non. Moins. Ah non. On est sur du 1 734 000 dollars actuellement de salaire versé à tous les officiers de police. Mais ça ne laisse que 266 000 dollars pour pouvoir faire les formations et payer l'assurance et acheter du nouveau matériel. Oui, mais vous inquiétez pas. Il y a les subventions et à côté de ça, il y a aussi le département qui génère de l'argent. Ah d'accord, je comprends. Puisque toutes les amendes qu'on met, etc. C'est vrai, Chronos, je pourrais. Vous est reversé sous forme mal à la tête. De prime de. Je préfère, mais j'ai mal à la tête. Du travail. Donc du coup, on arrive largement à atteindre par semaine 3 millions de dollars environ. Ce qui est largement suffisant. Hein. D'accord, mais si t'as besoin de plus, il faut pas hésiter à me demander. Allez-y, Odinson, on peut commencer à y aller. Entendu. Oui. Ah, il y a un truc qui me bloque. Alors, faites une marche arrière peut-être. Ah, mais... Odinson ! Ah oui, chef. Vous avez le frein à main enclenché ! Ah, c'est pour ça, autant pour moi. Excusez-moi, j'ai pas d'habitude. Pardon, excusez-moi. Eh oui, vous prenez le manche là de Patricia et vous le descendez. Entendu, c'est bien compris. Je vais apprendre à apprivoiser Patricia. Voilà, c'est ça, c'est... ouais. Ah, attendez, j'ai un indique. Ah, c'est non loin d'ici, justement. Bah, vous savez quoi, on va faire un petit détour. Je vous ai mis le point sur votre GPS, là, devant. Vous voyez? Oui. Bah, écoutez, on va se rendre là-bas. J'ai un indique qui a une information à me donner. On va en profiter pour faire un petit détour. C'est un ami? On rentre au poste. De quoi? C'est un ami qu'on va voir. Non, un indique. Quelqu'un qui donne des informations à la police. Qu'on paye, du coup? C'est ça. Si vous voulez, si ces informations sont bonnes, on pourra lui donner mon salaire. Ça vous va? Ah non, quand même pas, Odinson. Vas-y, là, vous allez pouvoir tourner à gauche. Tout de suite. Vous l'avez raté. Non, voilà, tournez à gauche. Ah ouais. Et là, vous prenez la petite ruelle à gauche. Ok. Après la poubelle, là. Hop là, voilà, vous engagez.
Gauche, gauche. Pas entendu. Oula. Non, derrière. Odin, ça te reculer. Ah, pardon. Ah, vous tournez, ouais. Je sais pas si on va réussir à passer là. Ah, ouais, non. Fais passer par l'autre. Passez par l'autre côté, Odinson. Oui. Ce véhicule est peu manœuvrable. Il faudra une fois qu'il sera garé que je bouge plus. À mon avis. Voilà, là je pense que vous allez pouvoir réussir à passer. Directement dans le motel, c'est ça? Ouais, c'est ça. Allez-y doucement, attention. Allez-y. Ça coule. Ça passe. Ouais, ça passe. Ça passe, ça passe. Vas-y, vas-y. C'est des amis à vous? Non, c'est des. C'est un indique. Oula. Ok. Excusez-moi, pardon, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Messieurs, attendez, excusez-moi, je pense qu'il y a un malentendu. On est là pour. On est là pour rencontrer un indique. On est là pour rencontrer un indique. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? On est là pour rencontrer un indique. On veut pas de problème, je suis désolé. Messieurs, s'il vous plaît, pas besoin d'armes, s'il vous plaît, je me rends, s'il vous plaît, me pointez pas, un accident! Un accident possible! Mets-toi là, mets-toi là et ferme. S'il vous plaît, d'accord, s'il vous plaît. Est-ce que vous. Tranquille, tout va bien se passer. Attendez. Attendez, est-ce que je peux vous aider, si vous voulez, moi je vous dirai tout ce que vous. C'est bon, tais-toi. Je vais prendre tes armes, tes affaires. Pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. Me faites pas de mal et faites rien. Lieutenant, c'est la procédure, ça? Non, Odinson, c'est un piège. C'est un piège de votre indique. Alors, il est hors de question que vous lui versiez mon salaire. Écartez-les. Je vous prends vos armes, je vous prends tout. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi les clés de Patricia, s'il vous plaît. Allez-y, on vous suit. Non, Patricia! Patricia! Non! Reviens, allez, putain de camping-car de merde. Il est très moche en plus, il est très moche. Oui, comment on tourne? Je vais. Allez, là, moi. Les deux. Dans le code de la cour, moi derrière. Entendu. Je monte là, c'est là. Coffre. Allez, monte dans le coffre là. Monte dans le coffre, putain de merde là, vas-y. Je sais pas moi, comment on fait ça? Excusez-moi, j'arrive pas à rentrer dans le coffre, je suis désolé, je suis bien trop grand. Mets place dans la serre à paupières, non? Oh, dans la serre à fête. Dans la serre à fête. Vas-y, qu'est-ce que c'est? Oh putain, chuté, gars, non. On va à la pause ou c'est comment? Attendez, laisse-le passer, je crois. Mettez la pause, Luigi. Oh putain, c'est pour nous, hein. Pas la bonne. Mettez la pause. C'est pas la bonne. Vas-y, je l'aime. C'est pas la bonne pause. C'est bon, on n'est pas poursuivi, vas-y par toi, tu es là. C'est la position dans le nord, non? Normalement, ouais. Il y a une voiture de cops très très loin. J'espère pour toi, tu vas être coopératif, toi, derrière, d'accord? Messieurs... Qu'est-ce qu'ils nous ont pas vu? Oh là là! Ce qu'il lui a mis! Il aurait fait l'amour! Ce qu'il lui a mis! C'est qui le mec derrière, en fait, là? Je n'ai pas suivi. Messieurs, c'est une erreur, à mon avis, vous me confondez avec quelqu'un d'autre! Si vous voulez, moi, je veux bien repartir à pied, y a pas de problème! J'ai tout oublié! Allô. On te confond pas, t'inquiète pas. On sait très bien qui tu es. Non, messieurs, j'ai pas vu vos visages, je vous jure, je porterai pas plainte à la police. Je
suis pas sûr que tu revois la lumière du jour là, s'il y a demain. Nous on a l'autre avec nous, on a plus de flics au cul. Pas l'autre là qui avait peur. Ouais, c'est au Jinson toi derrière. Chef. Oui, on a lui. On est parti. Fermé celle-là. Vas-y. Comme quoi le hasard fait bien les choses, hein. Carrément. Est-ce que vous m'emmenez vous savez que c'est très dangereux là où vous m'amenez. D'ailleurs, on t'a pris ton téléphone et... Oui, on lui a tout pris. Je crois que t'as pas compris, hein. C'est nous le danger. Mais qu'est-ce que vous me voulez? J'ai jamais fait de mal à personne, monsieur. Monsieur, je vous promets que je me suis toujours bien comporté avec tout le monde. Messieurs, qu'est-ce que vous me voulez? Si vous voulez, on n'a pas besoin de m'intimider, je ferai tout ce que vous me demandez. Ferme ta gueule. Écoute, je vais dire un truc très simple, d'accord? Je vais pas passer par 46 chemins avec toi. Et soit tu la fermes, soit ça va te plomber sur place. D'accord? Pose pas de questions, d'accord? On va juste te taire, rester dans la voiture, et nous laisser faire ce qu'on a à faire. Derrière là, je vois t'es tout stressé là, détends-toi. Non, vous m'avez menacé de mettre une balle dans la tête. Pas besoin d'arriver là, je vous jure, je vous en supplie, s'il vous plaît, laissez-moi partir, je rentrerai à pied, y'a vraiment pas de problème, si vous voulez, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux faire comme. Écoute-moi, bien ma parole là. Tu m'écoutes ou pas là? Je vous écoute attentivement. Ah oui. Tu vas arrêter de paniquer parce que plus tu paniques, plus ça m'énerve, et plus ça m'énerve. Je suis en train de t'en coller une entre les deux yeux, c'est bon pour toi. Entendu. Détends-toi là. J'ai envie d'avoir une historique là, sur la jarrière. Respire bien et expire tranquillement, détends-toi. Tu sais quoi, W, vas-y, fais lui fumer un peu là, ça va te détendre. Ah ouais, tu veux. T'as déjà bédave? Surtout pas ça, jamais de la vie, jamais de la vie, surtout pas ça. T'es sûr tu veux pas goûter? Non. Jamais de la vie, jamais. Si, prends ta regarde. Je refuse. C'est bon. Ça va te détendre, regarde. Assez une petite taf, voilà. Voilà. Si tu vois des éléphants, c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est rien. Tu vois, ça t'en fait du bien. C'est bizarre votre truc. Il est en train de planer. Ah, t'inquiète. Juste détends-toi, réfléchis pas. T'as de repasser le temps. Tu vois quoi là un peu? J'essaie juste de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que je fais dans cette voiture? On va le savoir bien assez tôt, mon gars. On va le savoir. Mais panique pas, si on voulait te tuer, on t'aurait déjà tué là-bas. Si on t'a ici, c'est que tu nous es plus important vivant que mort. Tu captes ou pas? C'est bien compris. Ah ouais, c'est un détendu. Tu fais quoi dans la vie, mon grand, là? À mon avis, vous le savez. Ah, je t'en rends pas, moi je suis pas au courant. On va bien savoir. Peut-être qu'on est au courant, mais qu'on veut l'entendre de ta bouche. Il y en a qui sont pas au courant dans cette voiture. Je travaille pour les forces de l'ordre. Ah putain, c'était sûr. Putain de copse, hein. C'est quoi ton putain de grade là? Réponds à la question là. Je suis officier. Je n'ai aucune valeur. Oh, sache un truc. Tout officier a de la valeur. Même un rookie. C'est mal me connaître. Attends, mais tu vas me faire avaler qu'un putain de rookie là. T'es en service là? T'es en service ou quoi? Non, c'est un officier. Ah, c'est un officier. C'est un rookie. Ouais. Ça veut dire. Eh, t'es en service ou quoi là? J'étais d'astreinte. Je peux vous poser une question? Vas-y, pose. Pourquoi vous avez choisi de brûler mon camping-car? Et pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Toi, tu fais bien des pavures tous les jours, hein, dans les rues de Los Angeles, hein, putain. Aucune. Nous, on te pose pas la question, hein? Aucune bavure. Au contraire, je fais de mon mieux pour essayer de vous servir au mieux. Pour que les villes soient. Il y a des bons flics et il y a des mauvais flics, et malheureusement, c'est souvent les bons qui payent pour les mauvais. La vie, elle est comme ça. Et est-ce que ce serait pas le moment d'essayer d'arrêter cette boucle infernale? Justement. Cette boucle ne s'arrêtera jamais. Il faudra qu'il y en ait un qui arrête. Mais si aujourd'hui vous m'ôtez la vie, ça pourra pas être moi.
Sache un truc, c'est que cette boucle elle tourne depuis des générations et des générations. C'est pas nous qu'on va réussir à l'arrêter, ni vous. Et si c'était nous? Cette boucle. Et si c'était nous dans cette voiture qui commencions quelque chose de plus grand que nous? Putain, il vend vraiment la vie comme un... La vie c'était un Kinder ou quoi? Tu te pointais avec ton petit polo et t'allais changer le monde. C'est ça en fait. Qu'est-ce qui nous en empêche? Mais ouvre les yeux, grand, ouvre les yeux. Tu vois pas la société, comment elle tourne? Sache un truc. La vie n'est pas comme dans les films. La rue, elle est cruelle. Les coins sombres sont dangereux. Et dans la police, tu signes un contrat. De vie ou de mort. Donc à partir de ce moment-là, c'est que tu sais à quoi t'attendre. Si tu le saurais pas, tu aurais pas signé ce contrat. Et pourquoi vous faites ce que vous faites, vous? Pour survivre. Parce que nous, malheureusement, on a été rejetés. On a habité dans des endroits délabrés, des familles avec peu de moyens. On a dû faire avec nos moyens pour s'en sortir. C'est parce que c'est un... C'est parce que c'est de vivre dans une famille brisée, hein. Ton grand frère, il meurt là sous les balles d'un copse, hein. Tu sais pas ce que c'est, ça. Non, ouais, je suis désolé de l'entendre. Tu te retrouves avec... Je vous présente toutes mes condoléances, monsieur. Trois frères, un père mort, enfin, et une mère qui touche un tout petit salaire qui peut à peine vous nourrir, et même pas jusqu'à la fin du mois. Avec ça, je te garantis un truc. Même toi qui est dans la police, tu grandis dans ça, tu n'aurais jamais été dans la police. Parce que quand tu grandis dans la rue, le seul moyen de t'en sortir, prends tes jambes, tes bras, et tu vas braquer. Et c'est quoi la finalité à tout ça? Le la pognon. Finalité, le pognon. L'argent, pouvoir vivre et subvenir à nos besoins. Et vous risquez vos vies, nous risquons la nôtre. Quel intérêt? L'intérêt? Pas se faire marcher dessus par des gens qui se permettent des choses vu qu'ils ont un badge et qui sont un peu plus haut dans la société. Je n'ai jamais fait ça et ne le ferai jamais. Peut-être que toi tu ne l'as jamais fait, mais d'autres l'ont fait avant toi. Et s'il y avait quelqu'un comme moi qui pouvait... Et s'il y avait quelqu'un comme moi qui pouvait rentrer dans les forces de l'ordre et gagner des grades et s'assurer que ça ne se reproduise jamais? Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que même si tu parles, tu ne seras pas écouté dans la police. Dis-moi si j'ai tort. Je pense que vous avez raison. Écoute bien. Et t'as vu mon grand frère là, rest in peace. Il est mort sous les balles d'un officier, sous les yeux du putain de commandant. T'as vu? Et pourtant, le commandant il est toujours en place, l'officier il est toujours en place. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu captes? Oui. Parce que justement, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui sont comme vous, de bonnes intentions. Et ils veulent bien faire les choses. Mais malheureusement, en voulant bien faire les choses, c'est là que vous vous manquez. Ils ont éteint. Parce que des fois, vous pointez des armes. Mais vous savez pas ce que vous allez en faire derrière. Si ça peut vous rassurer, je n'ai pas l'habitude de sortir mon arme. Oui. Bisous toi, Eta. Mais le jour où vous la sortirez vraiment, là, ça vous fera un choc. Parce que pour vous, pour l'instant, comme vous m'avez dit, vous la sortez pas. Peut-être que les balles, pour vous, vous pensez que c'est du caoutchouc. Mais une balle, ça tue. Je... Les hommes meurent tous les jours dans la ville. Je ne le sais que trop bien. Alors d'aujourd'hui, je pense que j'ai dû enterrer au moins 4 membres de ma famille, y compris mon père. Quel âge avez-vous, si c'est pas indiscret? Oh, je suis un peu plus au-dessus de la vingtaine. C'est bien jeune pour avoir vécu de pareilles tragédies. Je suis désolé d'entendre quelque chose comme ça. Oui. Toutes mes condoléances, monsieur, on devrait... Je vous explique, quand on grandit dans la rue, on a pas 46 solutions d'échappatoire. Parce que c'est des petits qui viennent te voir pour te faire avoir de l'argent. Tout simplement. Et quand tu es petit, tu vois que tu peux faire de l'argent facile, tu fonces. Et une fois que tu as un pied dedans, tu n'en sors plus jamais. Et est-ce que vous avez pas des gens qui peuvent vous accompagner pour vous aider à vous réintégrer dans la vie et les activités légales? Si tu sors de l'endroit où tu es rentré, il n'y a pas de sortie. C'est la prison ou la mort. Venez me voir si vous voulez au poste à visage découvert et j'assurerai votre protection, monsieur.
Un ami à moi, il avait une protection aussi. Il lui a fallu 2 jours avant de se prendre une balle dans la tête. Parce que justement, il y a des flics qui le protégeaient. Ils ont parlé qu'ils le protégeaient. Et ils ont attrapé ces flics-là pour le ramener. Et à partir de ce moment-là, il est mort. C'est l'un des vôtres... Vous vous exutez entre vous ? Non, non. Pourquoi t'as stride ? C'est parce que justement, cette personne-là a trahi sa famille. Parce que c'est pas parce qu'on est dans la rue, qu'on a des armes, que, comme vous dites, on est des gangsters, qu'entre nous, on n'est pas une famille. Chaque groupe est une famille. On n'a pas des liens de sang, mais on a des liens d'affiliation qui nous regroupent tous ensemble, qui fait qu'on forme une des plus grandes familles. Est-ce que votre aimable famille serait d'accord et encline à me libérer? Comme vous le savez, je n'ai pas de valeur, je ne suis qu'un officier, je n'ai pas encore fait mes preuves. On va te déposer. Tu m'as saoulé. Non, non, s'il vous plaît, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Sache un truc, V. J'ai été stressé. Pour l'instant, on ne te braque pas, d'accord? Oui. Tu n'as pas d'armes sur la tête. Elles sont sorties, mais elles sont pas sur toi. Oui. On n'a pas prévu de te faire du mal. À part si tu fais un peu le con. Effectivement, d'armes. Non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, baissez ta stam, s'il vous plaît. Tu comprends pas. Non, mais c'est qu'un accident. Un accident est très vite arrivé. Un accident est très vite arrivé, malheureusement, c'est ce qu'on m'a dit pour mon père, c'était un accident. Mais je vous jure que dans mes mains, je ne ferai jamais de mal à un citoyen qui n'aurait pas fait du mal à quelqu'un au préalable. Malheureusement, nous on a déjà fait du mal. Ça veut dire que vous pourrez nous faire du mal? Est-ce que vous vous repentissez si vous êtes en repentissement? Alors je peux pardonner. Il faut que la boucle s'arrête. Si on perpétue la boucle de la haine, alors ni vous ni votre génération ni la mienne ne pourront jamais vivre en paix. Et j'imagine que vous n'êtes pas. Quel âge? J'ai 32 ans, monsieur. On est de la même génération. Alors vous comprenez ce que je vous dis, on ne réglera rien si on continue à juste faire ce que tout le monde attend de nous, les méchants qui sont méchants et les policiers qui font les gentils alors qu'ils ne le sont pas toujours. Vous voulez que je vous dise un truc? Oui, dites-moi. Si tout ça c'est comme ça, tout part du gouvernement. Parce que ils chargent la police d'arrêter le trafic de drogue, mais derrière ils refournissent de la drogue pour la revendre parce que c'est l'un des business qui rapporte le plus d'argent au gouvernement. Le gouvernement? L'argent qui sort pour acheter la drogue, ceux qui revendent la drogue s'en servent pour acheter des véhicules, des appartements, des habits, des trucs comme ça. Et cet argent, une fois qu'il est dépensé dans des magasins, il repart où? Au gouvernement. Oui. Donc c'est une boucle qui s'arrêtera pas de tourner tant que le gouvernement n'arrêtera pas cette boucle. C'est ni la police, ni les gangsters qui ont la main sur ça. C'est le gouvernement qui ont la main sur la drogue, les armes et tout ce qui se passe autour de l'illégal. Et alors pourquoi n'en pas envisager? Imaginez si j'arrivais un jour à monter les échelons et à devenir capitaine du LAPD et que vous-même vous rentriez en politique. À nous deux, nous pourrions changer la face de Los Angeles. On pourrait la changer. Trop naïf. Comme je vous l'ai dit, j'ai mis un pied dans un endroit où il y a deux sorties, la mort ou la prison. Il n'y a pas la sortie politique, ni la sortie « je fais ma vie de mon côté ». C'est la mort ou la prison. Mais si je pouvais vous octroyer une forme d'immunité et que vous nous aidiez à comprendre les modes opératoires des gens qui vendent de la drogue, peut-être nous montrer les réseaux, etc. Il a cru qu'on était des putains de snitch ou quoi là? Y a pas de balance. Je préfère prendre une balle que balance n'importe quelle personne qui est autour de moi. Mais c'est pas une mauvaise chose. Non, on est une famille. Et une famille, ça ne se trahit pas. Si tu trahis ta famille, c'est que à la base, tu n'aimais pas les gens de ta famille. Et nous, à l'heure d'aujourd'hui, on est une famille. L'une des familles les plus soudées de tout LA. Comment est-ce que vous avez un nom de famille, monsieur? Oh,
on a un nom de famille, ne t'inquiétez pas. Est-ce qu'il est public ou est-ce que ce serait un affront de vous demander quel est votre nom de famille? Oh, il restera privé. Entendu. Cela dit, je me demande, je ne sais pas combien vous arrivez à vous faire en termes d'argent pour faire ça, mais moi déjà je ne perçois pas mon salaire, alors peut-être que je pourrais vous le verser, et si je vous le verse à ce moment-là, vous pourriez arrêter vos, cesser vos activités criminelles et plutôt passer du temps pour servir les gens dans la rue. Vous voulez savoir un truc? Oui. Vous avez vu le salaire que votre capitaine fait en une semaine? Je ne suis pas familier avec, avec ce genre d'informations. Vous prenez combien vous par mois? Je ne touche pas mon salaire, je n'en ai aucune idée. J'aurais dit de verser mon argent à des associations ou pour améliorer les formations de police pour éviter qu'il y ait des problèmes comme vous venez de citer avec des bavures. Écoutez, c'est simple, par jour on peut prendre des sommes que votre capitaine prend par mois, par jour. Et vous avez besoin d'autant d'argent, monsieur, pour vivre, pour vivre? Il y a des bouches à nourrir, on aide les personnes du quartier. Mais si tout le monde en a besoin. Mais les gens du quartier que vous aidez, ils font quoi eux comme activité, monsieur? Justement, on les discrimine, on leur donne pas de travail. Donc, on est bien obligé de les aider. Oula. Oula. Vas-y. Ouais, faut enlever le véhicule. Ok, accrochez-vous bien, ça va se couler les gars. Je m'accroche. Accrochez-vous bien. Accroche-toi, tout le monde s'accroche. Ne lui faites pas de mal, lui faites pas de mal, lui faites pas de mal, s'il vous plaît, lui faites pas de mal. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. C'est bon, tout le monde va bien, c'est bon là. Ouais. Moi ça va pas trop. Vas-y, descends là. Viens avec moi. Dans la voiture. Vas-y. Viens avec la doudoune rouge. Vas-y. C'est moi. S'il vous plaît, pas besoin de me braquer, s'il vous plaît, je vous moque. Avance. Oui, est-ce que vous allez bien, chef? Non, ils m'ont rien fait de mal. Rentre dedans. Rentre dedans. Messieurs, si vous voulez, je vous dirai tout ce que vous voulez, s'il vous plaît, Odinson, faites pas de mal. Tu la fermes. Tu parleras quand je te donnerai autorisé. Qu'est-ce que vous voulez faire de nous? Très bien. Vous en prenez à des agents de police, vous allez le regretter. Oui, je m'en prends à des agents de police et je sais très bien de quoi je suis capable, t'inquiète pas. Essayez même pas de toucher Odinson. Non, vous inquiétez pas, ils nous feront pas de mal, ils ont un bon fond, ils ont un bon cœur. C'est moi. Salut à toi, Izumi. Moi, je pense que Zéro, on va lui dire bye bye, hein. C'est à gauche ou c'est à droite? Ah non, il faut aller. Oui, qu'il avance à droite pour que vous le suivez pas. C'est bien sombre, je vois pas bien, excusez-moi, j'ai une mauvaise vue. Il y a un flash, il y a un flash. Voilà. Nous faites aucun mal, hein. Très bien. Peter Odinson, Oui. Horace Anderson, lieutenant Anderson. Vous êtes en train de menacer un lieutenant, vous mettez dans de beaux draps, monsieur. Menace, lieutenant, et tu vas non. Vous savez pourquoi je vous kidnappe ce soir? Non. Très bien. Vous êtes quoi? Vous êtes les BHB, c'est ça? Non, du tout. Non. Putain de BHB. Et ne me dis plus jamais que je suis un BHB, parce que ça je le prends très mal. Écoute, je vais t'expliquer pourquoi je te prends en otage ce soir. Avec Monsieur Odinson. À ce qui paraît, vous aviez eu contact avec un certain Indic, on est bien d'accord? Ouais. Il vous avait donné une position pour un certain deal. S'il vous plaît, baissez vos armes, s'il vous plaît, on va coopérer, je vous jure, on va tout faire, on va faire ce que vous dites. Tais-toi.
Vous avez une pause. Pour un certain gros deal. Sauf que cette personne, j'ai eu des gens qui sont venus voir et qui m'ont dit c'est un tel, c'est un tel. Je suis allé le voir, il s'est avéré que votre indique, je l'ai attrapé. J'ai pris son téléphone. Je vous ai envoyé une position. Je me suis fait passer pour le deal. Et je vous ai braqué. Vous êtes tombé dans le panneau, dommage. Pourtant, j'aimerais savoir plusieurs choses. Est-ce que vous connaissez votre cher collègue 10 ? Oui, Lorenz. Très bien. Monsieur Lorenz, c'est quoi son prénom ? Asher. Asher Lorenz. Leur dit rien. Vous voyez ce Asher Lorenz ? C'est un corrompu. C'est-à-dire ? C'est un corrompu. Il travaille avec des grands, des groupes. La majoritaire partie de votre gentil LAPD sont des putains de corrompus. Le 10, il est corrompu ? Voilà ce qui me fait agir comme ça ce soir. Et vous nous kidnappez pour me donner des informations ? Vous pouviez m'envoyer un fax, un mail ? Non, faites pas le malin, chef, faites pas le malin. Et vraiment, tu crois vraiment que t'es en position de force, là ? Non, non, s'il vous plaît, 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 non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, tout le monde se calme, s'il vous plaît, s'il vous plaît, chef, soyez coopératif, s'il vous plaît. J'ai vraiment pas de patience, je vais commencer, je pense, à lui péter une rotule. C'est bon. C'est ça que tu veux ? Non, c'est bon. Très bien. Maintenant, j'aimerais savoir une petite chose. Dans vos dossiers, dans vos archives, lieutenant. Oui. Est-ce que vous avez prévu ou des informations sur le groupe des Sex Money Murder ? Peut-être. Je suis pas de la GND, peut-être. Je veux une réponse. Un peut-être ne me suffit pas. Redonnez-moi un téléphone, je pourrais peut-être essayer de voir si j'ai accès à quelque chose. Le H, téléphone. Redonne-lui. Oh, s'il vous plaît. Ce qu'il fait. S'il vous plaît, faites pas de bêtises, chef. Ouais, merci. Ah, zut. Quoi, chef, dites-moi. Y'a pas de réseau. Chef, évidemment, on est dans une grotte. Ah, je suis désolé, je peux accéder à rien, on est... Attends, je crois que je n'ai pas prévu le coup. Vous avez une antenne Starlink ? Regardez bien. D'ailleurs, petite information, lui à gauche, il se croit toujours dans le monde des bisounours, hein. C'est son plus gros point faible. Hop. Il croit que la vie est tout belle, tout rose. Et voilà pour toi une puce cryptée. Vous aviez un répéteur Wi-Fi ? Exactement. Dernier cri. C'était pas une blague ? Je suis quelqu'un de très intelligent. Bon, je perds patience. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dépêchez-moi, ça vite. Ouais, j'ai regardé. Parce que si lui, il a de la patience, moi j'en ai pas. Ah, très bien, vous m'avez dit comment ça s'appelle ? J'ai une information sur le groupe des Sex Money Murder. Sex Money Murder SMM ? Exactement. Donnez-moi les informations que vous avez là-dessus. Vous savez, je suis pas membre de la GND, donc là, sur le peu d'informations auxquelles je peux accéder depuis un téléphone portable, sachant que j'ai pas de MDT sur moi, j'ai éventuellement... Solution, non, mais si vous voulez... Ok, j'ai quelque chose. Oui. Non. Oui, Odinson. Non, mais si vous voulez, il vous laisse son numéro de téléphone et on vous recontacte quand on est au point. Non, tu vas la fermer. Allez, faites pas de mal. J'ai quelque chose, là. Dites-moi. Actuellement, j'ai un nom. Lequel ? Un certain Kobe Davis. Très bien. Avec un casier judiciaire, reconnu comme étant membre de ce groupe. Très bien, ce casier judiciaire, vous allez me le supprimer. Immédiatement. C'est compliqué, là, de je peux pas faire ça depuis un téléphone. Sur Odinson. Je peux pas faire ça depuis un téléphone. S'il vous plaît, jouez, se montre coopératif, si vous voulez. Je peux éventuellement passer un coup de téléphone si vous m'autorisez et demander à ce que ce soit le cas. En fait, votre téléphone doit être localisé. Y a pas d'appel qui va être passé. Quand tu veux, tu peux dans la vie. Si tu veux le supprimer. Je peux essayer. De toute façon, en tous les cas, elle est intraçable. Tu vas faire une demande de supprimer ce casier judiciaire. Vous voulez que j'appelle un numéro en particulier ou directement la centrale police ? Non, tu m'as fait peur, Roche. Attends, j'ai un appel.
Allô. Est-ce que les est-ce que les renforts sont en route? J'en sais rien. On est dans le... J'ai l'impression que quand on est arrivé, c'était vachement forestier. Je crois que c'est le nord, ils ont même pas de juridiction pour... Que je commence à vraiment perdre patience. Eh oh, non, perdez pas patience. Je commence à avoir le goût du sang dans la bouche. Non, c'est mon truc coopératif, on s'est montré coopératif, je vous promets. Arrête de crier là. Eh, y'a des End of Watch qui se baladent là. Non, s'il vous plaît. Mettez un flash. Mettez un flash là. La danse, ça va commencer, je pense. J'ai une tendinite là. Messieurs. Ils sont brûlés, Patricia. Oui, oh non, Patricia. C'est quoi ton prénom, toi? Je suis Odinson, Peter Odinson, matricule 28. Ok, mais tu es gaucher ou droitier? Je suis gaucher. Gaucher. Je pense que je vais commencer à t'arracher. Ouais, exactement. Je vais commencer, je pense, à t'arracher des ongles. Non, s'il vous plaît. Allô. On se tait, il fait ce qu'il veut. Y'a personne qui en position de force. On a coopéré, on a fait tout ce que vous avez dit. On a fait ce que vous avez dit. Je suis désolé, Odinson. Calme-toi. Alors, ton bras gauche. Tu veux refumer un peu, Odinson? Attends, décale-toi, je vais lui faire fumer. Non, je veux pas fumer, non. Jamais. Tout à l'heure, tu as fumé. Non, c'est bon. Vas-y, prends. Voilà. Tends-toi maintenant. Arrête de crier, hein, parce que tu commences à te faire mal au crâne, hein. Ça, c'est pas bon signe pour toi. Voilà, comme tout à l'heure dans la voiture, tu étais tout calme. Tout s'est bien passé. Dans le nord? Non, l'autre voiture qui se faisait poursuivre par un... Parle doucement. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais je le dis juste. Bien. Maintenant, j'ai une autre question. Qu'est-ce que vous savez sur un certain Zilton White? Ça me dit rien. Regardez dans vos archives. J'ai vraiment pas accès à grand-chose sur un téléphone. Oh, vous allez trouver. Si vous avez trouvé Kobe Davis, vous pouvez trouver Zilton. Ah oui, j'ai bien quelqu'un. Très bien, qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'il est patron du Burger Shot. Ok, ensuite. Rien d'autre. Vous êtes sûr? Sur ce que j'ai accès depuis un téléphone, oui. Peut-être que si vous donniez plus d'informations... J'ai vraiment rien. S'il vous plaît, si vous donniez plus d'informations, nous pourrions vous aider. Si vous cherchez quelque chose de précis, peut-être. Nous sommes prêts à coopérer. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous avez besoin. Vous dire, moi je veux juste savoir ce qui est écrit sur ce putain de profil. Qu'est-ce que vous avez sur lui? Qu'il est patron du Burger Shot. Et voilà, c'est tout. Il a pas de casier judiciaire, il a aucun permis enregistré, aucun véhicule, aucune plainte, rien. Si vous avez des conflits avec lui, on peut vous aider peut-être. Vous voulez peut-être qu'on fasse médiateur? Non. Non, pas du tout. Bien. Je pense que j'ai eu assez d'informations, honnêtement. Quoi encore? Pour votre casier judiciaire, je peux peut-être faire quelque chose. Je m'entends vite fait. Donne-moi ta main gauche, toi. Pardon? Donne-moi ta main gauche. Qu'est-ce que vous voulez lui faire, hein? Tu tiens à quel doigt? Lui faites rien! Vous faites quelque chose, je vous jure que... Tu jures que quoi? Tu veux vraiment me mettre en run? Messieurs, si je peux me permettre de dialoguer, vous, pourquoi cette violence gratuite? Nous coopérons. Si vous allez nous abattre... C'est pas parce que tu as fumé, toi, que tu te sens plus détendu, que tu vas commencer à porter un peu ce que tu as entre les jambes. Donc reste tout calme, arrête de parler. Mais quelles sont vos motivations? Et réponds-y à la question qui t'a posée. Quel doigt tu tiens le plus? Odinson, ne répondez pas. Toi, on t'a pas dit de parler. Sinon, c'est toi qui vas perdre ton bras complet.
Réponds, quel doigt tu préfères? Prenez celui que vous voulez. Je te laisse l'honneur de lui arracher un petit angle. Non, allez, vas-y. Je ne le toucherai pas. Un peu arrogant. Donc, ne le toucherai pas. Tais-toi. Vas-y, cagoule, enlevez. Allez, qu'on en finisse. Hudson, je suis désolé. Vous inquiétez pas pour moi. Arrête de crier, toi. C'est un des officiers encore que tu n'arriveras pas à protéger comme plein d'autres. Un de plus, un de moins, ça vous fera pas un choc. Ça me rapporte tellement du plaisir pour ça. Ces flics. Oh, c'est incroyable, hein. Bon. Vous pouvez vous en prendre à un officier, à deux officiers, mais tous les officiers vous rechercheront. Oui. Oui. C'est vous qui allez les missionner de nous rechercher, c'est ça? J'en ai même pas besoin. Vos petits copains qui étaient poursuivis, vous inquiétez pas, qu'ils seront rattrapés. Ils seront arrêtés, mis en... Quoi? Le H. Ouais. T'as un flingue? Ouais. On va y aller, nous. J'ai eu les informations que je voulais. Occupe-toi de ces vermines. Et débarrasse-toi d'eux. Non. Écoutez-moi, s'il vous plaît, on peut encore trouver des informations. Mettez-moi. S'il vous plaît. Ok. C'est pas où la putain de sortie, là. Reste ici, toi. Laissez-nous, vous pouvez nous laisser, messieurs. Recule contre le mur. Laissez-nous. Vas-y, bah je vais venir. Bon, sur ce, je vous dis, passez une très bonne soirée, monsieur. À la prochaine. Oui. Monsieur, vous savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous n'avez aucune idée des retombées qu'il va y avoir, monsieur. S'il vous plaît, faites pas une chose pareille. Quoi dans la voiture? S'il vous plaît. La prison ou l'amour? S'il vous plaît. Ne sors pas de tout ça. S'il vous plaît. Soyez raisonnable, s'il vous plaît, messieurs. Vous n'êtes pas obligés de faire ça, on n'a pas vu vos visages, on sait même pas où on est. S'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligés d'en arriver là. Vous voulez quoi? Je peux vous sortir de tout ça. J'ai pas besoin de sortir de tout ça. Je peux vous aider. Parlez-moi, Monsieur, c'est un lieutenant, il a le bras long, il peut vous aider, s'il vous plaît. N'en venez pas là. Je peux tout vous obtenir, nouvelle identité et tout. Vous pouvez tout m'obtenir? Oui. Ok. Vous arriverez à sortir mon père de sa tombe et me le... faire revenir à mes côtés? Non. Monsieur, vous savez que c'est impossible. Voilà. Donc, je suis pas Dieu. Je ne peux pas vous tout obtenir. Vous savez, c'est de la faute de qui tout ça? Pas de la nôtre, pas de la nôtre. Votre capitaine. Qu'est-ce qu'il a fait, le capitaine? Je n'ai rien à voir avec le capitaine. Il a peut-être buté une des personnes qu'il fallait pas. C'est qui, on lui en parlera, on s'assurera que ça se repose, que quelque chose comme ça se repose jamais au sein du LAPD. Est-ce que vous avez entendu dans mes paroles que vous allez sortir d'ici? Messieurs, c'est pas nécessaire. Il y a toujours moyen de trouver un arrangement. On n'a pas vu vos visages, on sait pas, je sais même pas votre nom, vous savez pas donner votre nom de famille, je sais même pas quel groupe vous appartenez. On sait pas qui vous êtes, partez. Vous êtes pas obligé d'en arriver là. Prenez ma vie et laissez-le partir. Vous savez... Laissez Odinson, prenez-moi. Dès que vous entendez ding sur mon téléphone, vous saurez ce qu'il vous reste à faire. S'il vous plaît, c'est pas nécessaire. Une petite prière. C'est pas nécessaire. Faites ce que vous avez à faire, mais laissez Odinson tranquille. Non, s'il vous plaît, non. Faites ce que vous avez à faire, mais laissez Odinson tranquille. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, on peut s'arranger. S'il vous plaît. Pas d'arrangement possible. Monsieur.
Non, il fait pas là, c'est pas nécessaire. S'il vous plaît. S'il vous plaît, retrait. On a parlé, on a tissé des liens, on est des humains. On est des humains comme vous, on a nos faiblesses, on essaie tous de faire ce qu'on peut. Tout le monde a des faiblesses, mais chacun sait les cacher à sa façon. Faites pas ça, je vous en conjure. Je vous en conjure, on peut arrêter cette boucle infernale, on peut. Et c'est Odinson, il a rien à voir, c'est qu'un petit officier. Dans la voiture tout à l'heure. Cette boucle s'arrêtera que le jour où le gouvernement décidera de l'arrêter. Hutchinson n'a rien fait, c'est qu'un petit officier, il vaut rien. Mauvais endroit, mauvais moment, malheureusement. Officier, pas officier. Laissez-le en vie, ça fera un messager, il passera le message. Mais prenez-moi, ne le prenez pas. Il n'y aura pas de messager. S'il vous plaît. Si vous voulez, on disparaîtra. Si vous voulez, on disparaîtra. Vous direz à vos amis que vous nous avez tués quand vous nous en demandez. On disparaîtra, je vous jure. On quittera la ville. On prendra un avion directement. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était une famille. On ne se ment pas dans une famille. Mais vous allez dormir comment si vous ôtez une vie, vous? Oh, j'en ai ôté plus d'une. Et je dors très bien. Vous avez de la chance, il prend un peu de temps, voyez le coup. Ça vous laisse le temps, à mon avis, c'est un... vos derniers mots. Non, c'est un signe, à mon avis, c'est un signe qu'il faut... J'ai pleuré, j'ai rien à vous dire, faites ce que vous avez à faire. Non, s'il vous plaît, non. Vous avez plus rien à vous dire entre vous deux? Odinson, je suis désolé. Non, ça s'arrêtera pas comme ça, s'il vous plaît. Recule. Ça s'arrêtera pas comme ça, s'il vous plaît. Odinson. Non, s'il vous plaît. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire? S'il vous plaît, arrêtez. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes le problème avec ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Ne lui faites rien. Merci pour tout. Je suis désolé, Odinson. Merci, Vassou. Je suis vraiment désolé, Odinson. Je te demande pardon. C'est pour rien. Vous voyez, avoir des indics dans la police. Vous voyez où ça mène? Vous êtes maintenant un officier, assis dans une grotte, dans le noir, avec une arme braquée dessus. Vous savez, cette situation, ça se passe souvent, mais dans l'autre côté. Des policiers qui braquent, des gens qui veulent juste s'en sortir dans la vie. Alors soyez le changement que vous voulez voir, monsieur. Si on fait tout ça, c'est pour s'en sortir dans la vie. Mais la société ne veut pas nous laisser nous en sortir, malheureusement. Et comment nous tuer vous fera... Comment est-ce que nous tuer vous fera vous en sortir mieux dans la vie? Vous allez rien y gagner. Ça, on verra un message que, à partir d'aujourd'hui, plus aucun groupe, ni personne qui veut s'en sortir, se laissera marcher dessus par les autorités. Ils vont même pas retrouver nos corps. On est au milieu de nulle part. Moi je manquerai à personne, mais vous, votre femme. Dites ça. Alors c'est ça? Non, s'il vous plaît, monsieur, non, s'il vous plaît, non, monsieur, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, tiens, parce que... Ah! Son arme. Il y a des balles encore.
Ah, je saigne aussi de la jambe. Il faut faire un garrot. Prenez. Donnez-moi votre ceinture. Prenez ma ceinture. Tenez. Il faut serrer ça. Est-ce que vous avez encore le téléphone? Oui. Ah, le téléphone a pris une balle. Il faut qu'on trouve des secours, je suis en train de me vider de mon sang. Venez, dites-moi, vous pouvez marcher. Difficilement. Venez, on... Allez, faites un effort, dites-moi. Merci de votre attention. La marche va être longue. Ça a eu tellement de temps. Arriver ici. Ça va aller. Il faut pas qu'il nous retrouve. S'il est retrouvé avant nous, il va les alerter. S'il est retrouvé avant nous, il va les alerter. Il faut quoi? Mais tu peux pas courir, Odinson. Non. Est-ce que vous voulez vous appuyer? Est-ce que vous voulez appuyer sur moi? Non, c'est à vous plutôt de vous appuyer sur moi. J'ai cru que c'était la fin. Petite zone, je suis désolé. Quand je l'ai vu se dresser devant vous, c'est de quel côté? Je sais rien. Je pense que c'est à droite. Je vois plus rien. Je pense que c'est à droite. Je pense qu'il faut qu'on aille à droite. Attendez. De me rappeler. Vous pensez que c'est par là? Je vous suis. Je sais rien. J'ai pas un grand sens d'orientation. Mais... non. Excusez-moi. Accrochez-vous à moi. Je veux pas vous laisser. Accrochez-vous à moi. Je suis obligé de garder un point de compression. Mes nouveaux vêtements, je les ai ruinés, j'ai tout perdu aujourd'hui, Patricia. Oh, d'une scène derrière moi. Non. Dites-moi, ils nous attendent. Dites-moi, vous avez des balles encore. Dites-moi, il faut qu'on fasse demi-tour. Il faut qu'on trouve une autre sortie. Il faut pas aller là, si nous attendent là. Y a qu'une seule sortie. Et le tunnel qu'on a vu à droite, ça pourrait être là. Non, il faut absolument qu'on arrive. Il faut qu'on arrive à sortir de là. Non. N'avancez pas. Ah, c'est moi, c'est Anderson. Vas-y, on va booster. Attends, mais Gibson, viens. Approche-toi pour l'épaule, viens. Ok, c'est pas le... Allez-y, prenez un... Dinson. Putain... Vas-y, portez-les. Ça va, Dinson? Pas extraordinairement bien. Accrochez-vous. Tu m'entends, toi? Garde tout souffle, oui. T'inquiète. Vas-y, viens avec moi. C'est lui qui a voulu nous abattre. Je te la mets avec toi. Je crois qu'on l'a aidé là, il y a des petits PO partout. Ouais, mais il y a deux aussi, hein. Aïe! Odinson, dans la même voiture que moi, on vous emmène à l'hôpital. Les autres, allez-y, allez aider les collègues. Merci, Armin. Comment vous avez trouvé? Je vais le prendre lui. Je sais pas. Je vais le prendre avec vous. Tu le mets à l'arrière, tu déposes Odinson et le lieutenant à l'hôpital. Merci de lire attentivement. Tu le déposes à l'hôpital et lui tu le déposes en cellule. Ceci n'est pas un test. Merci de votre attention. Bouge pas, je te mets les serflex, je te retire ton masque. Accrochez-vous les gars, on va à l'hôpital. Hein.
Vous allez apporter, monsieur. Vous avez prévenu les collègues que vous nous avez retrouvés. Ouais, ouais, c'est prévenu, c'est prévenu. Je vous l'apporte, monsieur, allez-y. Vous avez les serflex, hein. Merci. Ah, toi. Ah, je vais te tuer. Calmez-vous, calmez-vous, Ander. En fait, voilà la boucle. T'as trop parlé, t'as trop parlé. Oh, j'ai... Y'en a un des deux qui va pas survivre au vu de là où il a pris les balles, à l'hôpital. Allô, Andrea. Ouais, dis-moi, t'es où, toi? Y'a moyen que t'ailles à l'hôpital ou pas? J'ai besoin de courir. En gros, il y a deux agents de police qui viennent kidnapper. Je crois que je sais pas ce qui leur arrivait, mais il leur arrivait des trucs de fou. Et j'ai besoin que tu les prennes en charge. C'est mon lieutenant et Hutchinson. En gros, j'ai deux agents qui ont été pris en otage, ils ont été maltraités. Je sais pas ce qu'ils ont exactement, si on leur a tiré dessus ou autre. Et je voudrais bien que tu les prennes en charge. Eh hey, les gars, restez. Eh, hey, hey, réveille-toi. Oh, réveille-toi. Hutchinson. Hutchinson, réveille-toi. Réveille-toi. Je suis en voiture, je bombarde là. Ils étaient au niveau de la frontière, je bombarde. Ok, d'accord, j'arrive à l'hôpital dans 2 km. Vas-y. Je te remercie. Fais attention à toi sur la Pacifique. Que je perds des connaissances, Eden. Hey, tu t'endors pas à droite là, hein. Hey, Odinson. Hein. J'ai perdu beaucoup de sang. Tiens, reprends ta ceinture. Tiens, fais un garrot. Vous avez pris des balles ou quoi? Un garrot sur la hanche. Ah oui, compliqué. Il se passe quoi, la Pacifique? Ah, ils vous ont tiré dessus. Bah, il va se faire braquer, quoi. Attends, il y a la trousse de soin derrière. Je me mets une compresse. Je vous ai prévenu, il y en a un des deux qui ne survivra pas. Oh, alors toi, si je te fais pas la peau. Pourquoi? Les bons flics. Il est arrivé quoi? Pourquoi Sugar, il a pété un câble, il a braqué les deux, là. De quoi? Sugar, c'est leur lead. Leur chef. Pourquoi il vous a braqué? J'ai pas entendu ce qu'on a, moi. Ouais, j'ai négocié avec lui pour ça. Ouais, comment vous avez retrouvé? Il m'a envoyé la pause, j'ai négocié avec vous. Enfin, avec lui pour avoir votre libération. D'accord. Il vous a manipulé, c'était pas vrai. Il a d'ailleurs tenu à son homme de main, vous avez l'air de vous abattre. Il allait le faire. Hutchinson, il a pris une balle pour moi et j'ai réussi à le désarmer et après il a pris la fuite. Vite pour 04. Allez, descendez. Toi, je vais rouler la voiture, tu sors pas. Est-ce que je peux avoir une seconde avec l'individu, s'il vous plaît? Ça la sonne. Odinson, c'est pas trop le moment. T'as pris une balle. T'es sûr de toi, Odinson? T'en as besoin, fais-le. On te laisse deux minutes. J'arrive dans une seconde. Prenez un chat, ils ont été kidnappés, apparemment ils ont pris des balles, je sais pas. J'ai pris une balle dans la cuisse. Vous voyez, je pourrais décider de me prendre à vous et on va arrêter la boucle ici. Alors arrêtez vos menaces et rentrez dans les rangs. Aucune menace sera arrêtée. Venez, je vais vous dire un petit peu. Stay back chez vous. Oui. Oh, recule. Ouais, la fille de ma mère, toi. Reculez, madame, s'il vous plaît. Je t'arrive 28. Dixon, ça va aller, mon grand. Lexi? Oui. Tu peux t'occuper de lui, s'il te plaît? Il vient de se faire kidnapper, il se fait torturer, il vient de se faire mordre. S'il vous plaît. S'il te plaît. Je suis pas psy, hein. Non, mais il a mal, quoi. Le soigner, ce serait bien. Ouais, ma blessure à la hanche, elle est pas suffisamment. Je crois qu'il a pris une balle. J'ai pris une balle à la hanche. Et... Je suis pas psy. Je suis voir la police. Elle me dit, je suis pas psy. J'ai envie de canner. Si t'as Odinson. Alexis, je vous plaît. Vous de mourir. Vous êtes fait mordre par un chien. Où ça, monsieur? Ah, c'est pas un chien, c'est. On s'est fait prendre en otage à parler. Par un gang avec le lieutenant et ils nous ont mis dans une grotte et ils ont voulu tirer sur le lieutenant, alors je me suis interposé mais j'ai pris une balle dans la hanche et après j'ai voulu
tire la personne qui s'est tirée dessus, qu'on a réussi à interpeller, qu'il n'y aurait pas de représailles et qu'il fallait qu'on mette fin à cette... qu'il fallait qu'on mette fin à cette boucle de haine et... Il m'a dit de m'approcher, je pensais qu'il allait me dire qu'il acceptait à l'oreille et il m'a mordu le cou. Ok, je vais vous mettre sous anesthésie générale pour faire les soins, monsieur. Pour vous permettre notamment de vous calmer et éviter que vous bougiez trop si jamais... Entendu. Ok. Est-ce que vous pensez que je suis en état de me lever? Alors, oui, du coup, je vous disais, votre lieutenant va bien, il a été opéré lui aussi, il va sortir du bloc, il va être emmené en salle de réveil. Est-ce que je peux l'attendre dans sa chambre, si c'est possible? Il va être emmené ici. Ah, il va être emmené ici, d'accord, entendu. Donc, voilà. Relevez-vous. Merci, doucement. Par contre, attendez, parce que moi, je vais vous donner juste des béquilles, du coup. Ah, je sais plus comment faire. Pour éviter de trop solliciter votre hanche. Très bien. Oh, je sais plus comment on fait des béquilles. En anglais, je sais même pas comment on dit des béquilles en anglais, putain. Comment on dit des béquilles en anglais? Quelqu'un me fait une recherche internet? Aucune idée de comment on dit ça. Béquilles en anglais? Bah ouais, mais une canne, c'est Loli. Le problème, c'est canne, ça va être un. À moins que ce soit dans les. Une canne à sucre avec un gaffe, pas compris. Je vous donne une canne. Cette émote est hilarante. Crutch peut-être, ouais. Du coup, je vous dépose les béquilles juste. Est-ce que... Merci infiniment. Et du coup, pour ce qui est... Je vais juste moi vous donner mes dernières instructions par rapport au suivi. Du coup, je vous ai mis des points résorbables qui tomberont tout seuls au niveau de la hanche. Il faut cependant faire attention pour les prochains jours. Donc là, les béquilles toute la soirée. Et demain soir, il faut y aller mollo. Vous pourrez retirer les béquilles, mais il faudra y aller mollo. Entendu. Et par contre, par rapport à votre cou, pendant 48 heures, vous ne retirez surtout pas le pansement que je vous ai mis là. C'est un pansement qui va bien protéger, éviter qu'il y ait une infection. Et dans 48 heures, il faudra que vous reveniez pour qu'on fasse des tests, vérifier que... qu'il n'y ait pas d'infection, etc. Et notamment, on va faire une prise de sang pour vérifier que... Ça marche pas, brioche, j'ai testé. ...ne s'est pas transmis une maladie quelconque. J'ai une question, est-ce que je peux prendre une douche avec le pansement dans le cou ou comment je fais? Oui, 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 c'est un pansement qui résiste à l'eau, vous inquiétez pas. Très bien, très bien. Je suis en train d'essayer de me familiariser avec l'idée de porter des béquilles. Oui, c'est pas de soucis, allez... Je vais juste, juste vous faire un... Il faudra refaire un test dans 48 heures, mais du coup là on va faire un premier test pour savoir si vous avez pas de maladie quelconque. Entendu. Et voilà, et j'envoie tout ça du coup en demande d'analyse. Très bien, dès que je me sens je vais me lever et je vais aller voir mon collègue. Merci. Pas de soucis. Merci infiniment pour votre aide. Ça se présente. De rien, monsieur Odessa. Ça se présente. Ça va mon grand? Ça va, merci infiniment. Et vous, comment allez-vous? Ça va, j'ai arrêté la personne du coup qui vous a tiré dessus, ok? Est-ce que vous connaissez ses motifs? Vous savez à quel groupe il appartenait? Il a fait oui, des menaces. Les CMM. Ils ont laissé entendre qu'il allait y avoir des répercussions et qu'ils allaient nous retrouver. Personne, mon grand, tu te sens de marché? C'est-à-dire qu'on m'a confié des béquilles, mais je ne suis pas familier avec cette marque de béquilles. Avec la marque? Oui, effectivement. Vas-y, je vais t'aider à marcher. Allez, toi. Merci beaucoup. T'appuyer sur moi. Allez, appuie-toi sur moi. Et avant, je prends les béquilles dans... Merci. T'as pris une balle dans la jambe, du coup? Dans la hanche. Dans la hanche. Solide, hein? Est-ce que vous savez où est 01? Oui, il est en bas. Viens, on va le rejoindre. Ouais, les portes c'est galère, c'est de la merde, je suis d'accord avec toi. Elles sont pas terribles. Okay. Alors raconte-moi un peu ce qui s'est passé un petit peu dans les détails. C'est ignoble, c'est immonde, on était... je sais pas si vous avez participé au cadeau, mais on m'avait offert un camping-car et du coup Anderson est allé me l'offrir, alors il m'a montré un petit peu, on en a profité, on est resté d'astreinte et... Et à un moment, il a reçu un message.
Et on lui a demandé de... c'était un indique qui lui a dit qu'il y avait des informations importantes à lui donner, et alors on y allait. Et quand on est là-bas, on s'est fait prendre en embuscade, on s'est fait braquer et mis dans des voitures. Et ils nous ont mis, ils nous ont amené dans une sorte de grotte, et ils nous ont... Et ils nous ont questionné, ils m'ont arraché un ongle, et après, ils ont voulu nous tuer, et Anderson s'est comporté comme un héros, il a désarmé le malotru. Ouais. Wouah, Audition, non, on est parti chercher Anderson. Je sais pas que je vous manque pas de respect, mais ça fait mal de... Comment vous vous sentez Non, vous inquiétez pas, je vous montrerai digne devant vous. Comment vous allez, chef, patron chef? Ah, t'es pas mal, je vais vous demander si ça va bien, hein, t'es à votre collègue. On a... Vas-y. Ouais, qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors, ils vous ont vu quoi? Est-ce que vous avez sorti d'affaires? On tirait dans la chambre. Et vous allez pouvoir remarcher? Logiquement. Vous sentez de retourner au poste, lieutenant? Oui. Il va un peu boiter, mais t'as de on va essayer de vous mettre un... T'as pas un pantalon de rechange, Kirk, là? Ah, je peux mettre sur vos genoux? Non. Ah, d'accord. J'ai mal. Je pense qu'il y a une chose qui est très importante, qu'il va falloir qu'on garde entre nous et qu'on garde... et qu'on voit de manière... qu'il va falloir qu'on essaie d'investiguer... Je sais pas si vous avez entendu ce que nous a dit... la personne qui nous a attrapé... au sujet de l'agent numéro 10? Oui. Vous en savez quelque chose? C'est quelque chose qui est connu? Non. Vous savez que c'est lui qui m'avait fait... qui m'avait amené dans le nord et qui fait que j'avais pris des balles? Oui. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne sais pas. Je préfère pas tirer de conclusion. J'en parlerai avec le commandant de staff et on verra. Est-ce qu'on devrait, avant de savoir qui d'autre est mêlé à tout ça, est-ce qu'on devrait pas essayer de mener l'enquête nous? Peut-être. Il a laissé entendre qu'il y en avait bien, bien d'autres. Vous avez dit quoi, Dinson? Je vous disais que il avait dit qu'il y en avait d'autres. Ouais, c'est pas nouveau, ça. On a eu plusieurs fois ce genre d'assignation. On peut pas se permettre de les ignorer si on les ignore, et que c'est vrai. On met la vie de tout le monde en danger. Sachez que je n'oublierai jamais ce que vous avez fait aujourd'hui, Odinson. Chef, c'est vous qui avez fait tout le travail, vous avez réussi à fièrement le désarmer. Au péril de ma jambe. Oui, mais quand même, vous avez réussi à lui à vous saisir de son arme, et vous nous avez sauvé la vie. Si vous aviez pas une arme quand ils nous ont attrapé quand ils nous ont tiré dessus dans le tunnel, on aurait laissé notre peau tous les deux. On n'aurait pas gagné assez de temps pour la police pour arriver. C'est vrai. Merci, Odinson, vraiment. Merci pourquoi, chef. Sans votre acte, sans que vous preniez cette balle, j'aurais jamais eu l'occasion de le désarmer. Vous l'auriez fait pour moi, chef. Si les places avaient été inversées, vous seriez jeté, j'en suis certain. Vous m'avez surpris aujourd'hui, Odinson. Votre timidité cache bien du talent en vous. Je ne pense pas, je pense que vous faites fausse route, mais je suis honoré que vous pensiez ça de moi. Ne vous rabaissez pas, Odinson. Croyez en vous. Ce qui est important, c'est qu'on s'en soit sortis tous les deux. Peut-être Kiki, hein. Ouais. Et ils vont aller en prison. C'est terminé. J'ai essayé longuement de leur parler quand ils m'ont pris dans la voiture. On a attendu longuement, caché dans une forêt, et j'ai eu l'occasion de parler avec l'un d'eux, et j'avais beau aligner des éléments plus pertinents les uns que les autres, mais ils ne voulaient rien entendre. Rien entendre. Et pourtant, je suis certain qu'on peut sauver personne, mais aujourd'hui, qu'on peut sauver tout le monde, mais aujourd'hui, j'ai pas été capable de trouver les mots pour nous sortir de là. Si j'avais été plus efficace dans cette voiture, si j'avais été capable d'être un meilleur orateur, alors on n'aurait jamais eu à vivre tout ce qu'on a vécu là. Mais vous inquiétez pas, Dins. Aujourd'hui, on est en vie, en pleine santé. Dans quelques jours, on se sentira bien mieux.
moi j'ai bien la semaine pour me reposer puisque jusqu'à lundi j'ai une académie à faire, donc je serai en train de donner des cours et pas sur le terrain. Ah écoutez, je pense qu'on mérite bien, vous et moi, du repos. Moi je pense que je vais prendre quelques jours. Vous avez bien raison. Malheureusement, mon repos se limitera à des bureaux et à des cours, c'est le mieux que je puisse faire, mais je peux pas. Merci TikTok, merci. Sans personne pour le gérer. Même si j'ai des collègues, je tiens à faire le boulot. Pendant que vous serez en train de faire ça, je vous demanderai de garder les yeux ouverts. Il faut pas qu'on... On sait que 10, on a des suspicions sur 10. Il faut qu'on mène l'enquête, il faudra qu'on mène l'enquête. J'ai besoin de prendre du temps pour me remettre de mes émotions en quelques jours. En à peine quelques jours, il s'est passé tellement de choses. On m'a tiré dessus 3 fois dans l'espace de 10 jours. Je sais pas si je suis pas croyant, mais si quelqu'un a une mission pour moi, si je dois accomplir quelque chose, mais j'en sors un thème à chaque fois et je sais pas. Je sais pas qui remercier. Vous pensez que Dieu vous fout droit? Je sais pas, j'ai pas à quoi faire cette allusion, mais ce que je sais, c'est que... Vous pensez que... Attends, moi j'y connais rien en religion, je suis pas croyant. Ça fait trois fois que je passe... à côté de la mort. Merci sur TikTok les... parce que j'imagine que ce sont des roses, hein, en vrai. Ah oh, putain. Merci beaucoup. Et pour le camping-car, je suis désolé, je vous donnerai l'argent. Bah non, Peter, c'est moi qui vous donnerai l'argent pour... non, que l'assurance va donner. Je suis désolé. Il était assuré. Ah oui, c'est vrai qu'il était assuré. Oui, il était assuré, oui. Ils vont... Tout ce qui passe entre vos mains trépasse, hein, Odinson. Flower for me. Vous êtes un agent talentueux, mais qu'est-ce que vous portez la poisse? Je suis désolé, c'était la dernière fois que je partirai en patrouille avec vous. Je vous cause que des problèmes. Mais non, Odinson, je dis ça avec humour. Vous inquiétez pas. Si ça vous dérange pas, je pense que je vais aller me coucher. Allez-y, Odinson, allez vous reposer. On se tient au courant. Je vous remercie infiniment pour votre... Merci infiniment pour votre gentillesse et puis je vous dis à lundi du coup pour essayer d'en savoir plus. À lundi, Odinson. À lundi. Merci infiniment pour tout. Merci. Au revoir, chef. Permettez-moi quand même. Merci beaucoup.